What a blessing. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you for the opportunity that we have. Merci pour cette opportunité que nous avons. We ask you to lead us. Yes. Merci de nous conduire. By your Holy Spirit. Par ton Esprit Saint. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. You may be seated wherever you are. Que Dieu vous bénisse. Prenez place là où vous êtes. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Well, you're welcome to Give Thyself Holy Conference that's happening online. Amen. And we thank God for an opportunity to be here. Many people have died in the pandemic. Beaucoup sont morts dans cette pandémie. But you are here by the grace of God. Par la grâce de Dieu. And I believe wherever you are watching from, et je crois que partout où vous êtes, your life and ministry are still relevant. Votre ministère est toujours à jour. Amen. Amen. If you are alive, si vous êtes en vie, then God is showing mercy to you. Dieu vous montre sa miséricorde. Some years ago, il y a quelques années, I remember Rick Joyner said that when you have life or time, you are receiving mercy. Wow. Je me souviens, Rick Joyner a dit, lorsque vous recevez le temps ou la vie, c'est que vous êtes en train de recevoir la miséricorde. Amen. Amen. So I believe that there is mercy. Donc je crois qu'il y a la miséricorde et l'opportunité for you. Pour vous. In this conference, pendant cette conférence, I want to share with you je veux partager about what I call prodigal ministries. Wow. Ce que les ministères prodigues. Wow. So I want you to turn with me to Luke chapter 15. Donc, ouvrez vos Bibles à Luke 15. Prodigal ministries. Les ministères prodigues. I know we know of the prodigal son. Je sais qu'on connaît tous l'histoire du fils prodigue. And there are 12 things that I want you to take note of in this in these 4 days. Pendant ces 4 jours, j'aimerais que vous preniez note de 12 choses that I believe will help you to not be a prodigal ministry. Wow. Or to recover from being a prodigal ministry. De ne pas avoir des ministères prodigues ou de recouvrir ou de vous retrouver. Amen. Amen. What is a prodigal ministry? Qu'est-ce que c'est un ministère prodigue? We know the story. Let's read Luke 15. A certain man had 2 sons. The younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered together and took his journey into a far country and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land. And he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country. And he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat. And no man gave unto him. When he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father,
I have sinned against heaven and before thee, and I'm no more worthy. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and I'm no more worthy, all right, to be called thy son. But the father said to his servants, bring forth the best robe, put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive. Again he was lost and is found. And they began to be merry. Now his elder son was in the field. And as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of his servants and asked what these things meant. And he said unto him, thy brother is come, and thy father has killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry. Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad. For this thy brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Amen. Amen. Famous story. Une histoire très connue. Like a film. C'est comme un film. And everlasting words of Jesus. Yeah. Amen. Qui durera jamais de Jésus-Christ. So, my subject is about prodigal ministries. Mon sujet concerne les ministères prodigues. Now, all of us are, I believe this is a conference for pastors. C'est une and conférence pour les pasteurs. For church work. Et pour le travail de l'église. Ministry. It's for our ministry. So, if you are interested in the ministry, you'll be interested in the conference. Si le ministère vous intéresse, vous serez intéressé par cette conférence. If you have other aims, you'd be better to find another conference. Si vous avez d'autres objectifs, il faut trouver une autre conférence. This one is basically about the ministry. Yeah. Cette conférence concerne seulement le ministère. Amen. Amen. Now, prodigal ministries is can be described by looking at where the prodigal son was. He said he took his journey to a far country. On peut apprendre du ministère prodigue en regardant le fils. Il a voyagé loin du pays. So, far from God. Loin de Dieu. Or far out of the way. Ou loin du chemin. All right? And then wasted his substance. Il a dissipé tous ses biens. You see, a waste of the opportunity God gives to us. Gaspiller les opportunités que Dieu nous donne. In the ministry. Dans le ministère. You have a chance now. Vous avez une opportunité. To serve the Lord. De servir Dieu. And the chance is going and it will never come back. Et cette opportunité part et ne reviendra jamais. What people don't realize is that life on earth is just an opportunity. It must be. C'est que la vie sur cette terre, c'est une opportunité. It must be. Because it's finishing. Parce que ça finit. Every day. Tous les jours. And you can't go back. Tu peux pas retourner. You can't live again. Tu peux pas vivre encore. You can't come back. Tu peux pas retourner. What's going to happen after? Qu'est-ce qui va se passer après? This is it. C'est ça? You cannot return. Tu peux pas retourner. And revive what happened 5 years ago. Cannot be young again. Tu ne peux pas être jeune encore. And you'll find out that as you get older, et tu vas trouver alors que tu vieillis, you will
not really desire to be younger. Tu ne vas pas vraiment vouloir retourner dans la jeunesse. In the sense that you see people who are going through something you've been through, and you find it that you don't really desire to be there. Dans le sens où tu vas voir quelqu'un qui traverse ce que tu as traversé et tu n'as plus envie de retourner. It's something that will happen. I never thought it would happen to me. Je ne pensais pas but que cela m'arrive. Nowadays I see people starting things, starting life, starting whatever, and I realize that I don't envy them. I used to envy them, but I don't envy them anymore. Je vois des gens, ils sont en train de commencer, passer par des choses, je ne les envie pas du tout. And so, you see that your life is passing by practically. Alors vous voyez que votre vie est en train de passer pratiquement. Never to return again. Ne va jamais retourner. Yes. If you are married, si vous êtes marié, you can never marry again for the first time. Vous ne pouvez plus vous marier encore pour la première fois. Even if you are married 20 years. Même si vous êtes marié depuis 20 ans. You can never have the first experience of what it's like to be married right at the very beginning. Vous ne pouvez plus avoir cette expérience d'être marié de nouveau. It's gone. That's how your ministry is. It's gone and it's gone forever. So, he said he wasted his substance, the substance of his life and ministry was practically gone. And so, many of us are losing the opportunity to do certain things that we wish we had done. Amen. Then he goes on and he says, your brother was dead. Il a dit, ton frère était mort. So dead ministries. Donc des ministères morts. They have ministries that are dead. Des ministères qui sont morts. And then he says, and was lost. Your brother was lost. Ton frère était perdu. So you have ministries that are lost. Are you with me? Yes. There's quite a number of things here, which I hope we will have time to explore. And he was eating the husks that the swine did eat. We have ministries that are eating rubbish. Et ils mangeaient les gousses que les pourceaux mangeaient. Il y a des ministères qui mangent n'importe quoi. Ministry pastors that are eating rubbish. Les ministères des pasteurs qui mangent des ordures. And it explains the problems. Et ça explique les problèmes. That we are experiencing. Que nous expérimentons. Amen. Amen. They have ministry that are prematurely separated themselves from where they are supposed to be. Des ministères qui se sont séparés prématurément de là où ils doivent être. You should have stayed in your father's house. Ils auraient dû rester chez son père. Wow. You should have not reacted to whatever it was you were reacting that made you go away so far. Il n'aurait pas dû réagir à ce qui lui a fait réagir et partir si loin. And you would have been much better off. Et vous auriez été mieux placé. And he went and joined himself to a citizen of the country. And you see ministries that have joined themselves to the world. Yes. They've joined themselves to the world systems. Ils se sont joints au système du monde. And the world is also not receiving you well. Et le monde ne te reçoit pas. You are not accepted in the world system. Dans le but that's what you want. Mais c'est ce que tu instead veux. Of coming to God au lieu de revenir à and Dieu. To spiritual things, et des choses, à des choses spirituelles. You want to be more like Bill Gates. Tu veux être plus comme Bill Gates. Or more like a secular person. Comme quelqu'un de séculier. Amen. Amen. And you see a lot of difficulty in our ministry because
We have joined ourselves to citizens of this world. Things are not getting better. As we become more of everything in the world, secularized. Amen. Businessmen, politicians, I mean, motivational speakers, you know, it's not helping. And the church is not being what it's supposed to be. The Bible says that when he came to his senses, you see that we are not thinking right. Many pastors are not thinking correctly about the ministry as they ought to. And the Bible says when the man came to his senses and started to think properly about what he ought to think about, his ministry changed. And his life changed. And everything changed. So, a prodigal ministry that can find its way back to the Father, to the presence of God. Amen. It's an important ministry. Because you're finding your way back to the presence of God. And indeed, I believe this is what this conference is about. So, in the next 4 days, I want to encourage those of you who are interested in the ministry to come to listen carefully to the short sessions that we have on how to return back to the place that you belong. You belong at a good place. You belong at a higher spot in God, in the ministry. And God wants us to climb back up the mountain and pay the price to take our place which has been occupied by servants. Yes. And to take your empty room which nobody is sleeping in because you left, to come for your cloak, your mantle. Come back for your mantle. Come back for your ring. The sign that you are a son. Come back for your shoes. Put on the original shoes that the Father gave to us, which are the shoes of evangelism. How beautiful are the feet. And when you wear it, your ministry will change. And you'll be looking nice again. You know your shoes have not been good. But you can come back and wear your shoes again. So, in a brief nutshell, we can see 12 things. Maybe I should just give them to you so that I've given you all the points. I've said them somehow. A ministry, number one, of someone who prematurely separates. Yeah. And number two, ministry which is far away from the Father. And far from the presence of God. And number three, a ministry of someone who's wasting his life on riotous living. Et troisièmement, quelqu'un qui dissipe son bien dans la débauche.
Amen. Amen. And number four, a ministry that is wasting opportunities. Recently, we had an opportunity to go to Namibia for a crusade. And then we had an opportunity just after that to go to for a crusade in Botswana. But we were not scheduled to go to Botswana at that time. We're scheduled to go somewhere else. But when the opportunity came to go to Botswana, we took it and we went. Amen. Because life is about opportunities. If you miss the opportunity, you may be regretting all your life long and singing, I wish. So you got to take the chances, opportunities as God gives them to you. And then number five, a ministry of eating pig food. Pig food ministry. We are coming out of that. And number six, a ministry of one joined to the world systems. That's a prodigal ministry. We are more into Bill Gates. He's not a bad person. He's a good person. I'm just using as an example of somebody like the world, Steve Jobs. I don't know the people. I honestly don't know them. You can Google best motivational speakers and best whatever. Those are the people I'm talking about. A prodigal ministry. One that must be re-educated with God's word. And the prodigal ministry is the one, a ministry that begins to take great, brave decisions. Brave. The word is brave. Bravery. There's a medal for bravery under fire. You see, when you have a gun, it doesn't mean you'll be able to use it if the time comes. And that is one of the reasons why you have to be careful with such things. Because the sound of a gunshot is frightening. People become scared, frightened. And then they don't even remember that they have a gun. And sometimes the person just takes it from them. Turns it down and says, hands up. So brave decisions. You'll be taking brave decisions. And number nine, a ministry of someone who humbled himself to say, I was wrong. Amen. You know, one of my favorite characters in the Bible is this boy, the prodigal son, because he said, I was wrong. Yeah. I mean, we are wrong about many things. So, you must open yourself to God's power and be able to say, I was wrong. I was in love with you, but I was wrong. Yeah. One of the things we are wrong about are the things we like. Sometimes you like something, but you are wrong. Yes. You like the wrong thing.
vous aimez la mauvaise chose. Why is it one of the important things? Because one of the things that guides us a lot is the desires we have. Une chose qui nous conduit beaucoup, ce sont nos désirs. And the feelings we have. Et les sentiments que nous avons. You see, I can see your face. Je peux voir votre visage. And I immediately don't like you. Et immédiatement, je ne vous aime. Without thinking. Sans réfléchir. You know, that's how you people, a lot of politics is, people look at the person. Is he handsome? Il est beau? I vote for him. Je vais voter pour lui. Is she beautiful? Est-ce qu'elle est belle? I vote for her. Je vais voter pour elle. Her. It's true. C'est vrai. When she speaks, quand elle parle, not sense, elle ne dit but bien, just the voice. Mais juste la voix. You have my vote. Tu as ma voix. There's a lot of that. Il y a beaucoup de ça. In human things. Dans les choses humaines. All right? So, that is what leads us later on. Realize when your mind catches up with your feelings. Donc, plus tard, quand tes pensées rattrapent tes sentiments. When you realize that your mind had now realized what your feelings were doing. It's like, I mean, how? Et puis, tes pensées rattrapent le sentiment et dis, mais à quoi est-ce que je pensais avant? Do you understand? Yes. I'm trying to explain something to you. I'm trying to explain how, why you should be able to say I was wrong. J'explique pourquoi vous devez être capable de dire j'avais tort. You see, when you take a young, beautiful girl, many girls are more developed in their bodies than their minds. Les filles se développent plus dans leur corps que dans leurs esprits. So long before your mind knows the difference between good and evil, your body is ready for good and evil. Ton esprit connaît le bien et le mal, ton corps est déjà prêt pour le bien et le mal. Even for marriage. Même pour le mariage. That's why they used to give people away in marriage. Don't think, just be given. Yes. You're 18, 16, they give you. Because the body is ready. Yeah. Later on, the mind develops and catches up with the body. So that, you see, that's what I'm trying to explain. That your feelings can go fast. Then later on, your mind now comes to the same place that your feelings were earlier. It's at that point you must be able to say, I was wrong. And if you are too proud to say I was wrong, you lose the opportunity to keep going on in life. L'opportunité de continuer et avancer dans la vie. Yeah. One day God sat me down and showed me things I was wrong about. Many, many major things. Il m'a montré beaucoup de choses dont j'avais tort. I was just soft. J'étais doux et mou. All right. Now, number 10, a ministry that is lost. Un ministère qui est perdu, numéro 10. We talk about that. And then, number 11, a ministry that is dead. It's a prodigal ministry. And then number 12, a ministry that has elder brothers' examples that we cannot follow. Elder brothers we cannot follow. Le ministère qui a des grands frères dans le ministère qu'on ne peut pas suivre. Amen. Amen. There are many elder brothers. Il y a beaucoup de grands frères whom we cannot follow. Que nous ne pouvons pas suivre. If the elder brother was the one we were listening to, si on écoutait au grand frère, this story would have about half of the number of verses in it. Because the elder brother will say, this one, no. Parce que le grand frère allait dire, this one, no, no, no. Ce jeune homme, non. Out. Il est dehors. It cannot come back. Il ne peut pas revenir. It's too much. C'est trop. It's too much. Trop, c'est trop.
And that would have been it. So that's elder brothers. Les grands frères, different from the father. Ils sont différents du père. Elder. Il est plus grand, definitely elder. Il est vraiment definitely a brother. Âgé, un frère, but definitely mais, not an example that we can follow because it's not the father's heart. Il n'est pas un exemple qu'on peut suivre parce qu'il n'a pas le cœur du père. Amen. Amen. Now, what does it mean to be lost? Qu'est-ce que ça veut dire être perdu? It means to be a prodigal son. It means to be far. Ça veut dire être loin. Further. Plus loin. Far back. Beyond range. Amen. Are you there? Vous êtes là? Beyond range. Hors du portée. Hallelujah. So you must not be out of range. Vous ne devez pas être hors de la portée. Too far away. Trop loin. From where God wants you to be. D'où Dieu veut que vous soyez. Amen. Amen. In the distance. Dans la distance. Inaccessible. Inaccessible. Beyond range. Far. Très loin. Far away. Très loin. So God wants to bring us closer to Him. De lui rapprocher. Amen. Amen. And I believe that in this conference, you are going to come close to the Lord. De rapprocher de Dieu. Amen. Amen. Now, before we go into all that, avant de continuer, I want to us to look at the spirits that work in people who develop into prodigal ministries. Je veux qu'on regarde les esprits qui travaillent dans les gens qui ont des ministères prodigues. You see, what you must realize is that we are all experiencing a ministry and we are all under influence. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes tous en ministère et nous sommes tous influencés. As I am speaking, alors que je parle, I'm under an influence. Je suis sous l'influence. As you are sitting there, you are under some kind of influence. Alors que vous êtes assis, vous êtes aussi. What is influencing you? Qu'est-ce qui vous influence? Yes. Now, unfortunately, we cannot see into the spirit realm. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir dans le royaume spirituel. So, we cannot see spirits. Donc, nous ne pouvons pas voir les esprits. But by the fruits. Mais par les fruits. That's why we have to sometimes judge many times by actions. C'est pourquoi nous devons juger plusieurs fois. And not by what people say. Pas parce que les gens disent. Especially not what they say about themselves. Surtout pas ce qu'ils disent par rapport à eux-mêmes. And you see that people are influenced by spirits. Vous verrez que les gens sont influencés par Jesus said, in that day, Jésus dit, don't worry, dans ce jour, the Spirit himself will speak. L'esprit lui-même parle. So there are times when people are speaking, parfois les gens parlent, that is the Spirit which is speaking. Et c'est l'esprit qui parle. Amen. Amen. The Spirit is the one speaking. L'esprit est celui qui parle. So there was a time that Peter was preaching, was speaking, and Jesus said, éloignant de Dieu, and c'est the ça. Ministry is you. Le ministère prodigue et le ministère Amen. C'est vous. So that is also true. C'est aussi vrai. People leaving churches. Concernant ceux qui quittent les ministères. But that's not. I'm talking about. Pas des ministères prodigues, ce qui est nous, right. Nous-mêmes. Now, number one. Numéro un. The spirit of Lucifer. L'esprit de Lucifer. What is Lucifer? Qui est Lucifer? Which are subtle and dangerous. Qui sont subtils et dangereux. You have to be careful. Vous devez faire attention. In these influences, the influence of Lucifer. Quand vous êtes sous l'influence de Lucifer. Now in Isaiah 14, he said, "I heard, I will ascend."
I will exalt my throne. I will sit also upon the mount. I will be like the Most High, yet thou shalt be brought down to hell. En Ésaïe 14, il est écrit, te voilà tombé du ciel. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, assemblée à l'extrémité du septentrion. Amen. Amen. Now, I will. Trying to do. Je ferai. Qu'est-ce que vous essayez de faire? It shows the spirit that is working. Ça montre les esprits qui travaillent. So, one of the things that takes us away from God is having, you know, which is again this secular idea, having visions. C'est une chose que nous éloigne de Dieu, c'est cette idée d'avoir des visions, or visions that God hasn't given des objectifs que Dieu ne nous a pas donnés. It takes you far. Ça t'amène loin. Lucifer, had a goal. Lucifer avait the un but. Of Lucifer has an aim. L'esprit de Lucifer, il a un but. Sit here. Je veux m'asseoir ici. It's like a lady who wants to become someone's wife. C'est comme une femme qui veut être l'épouse de quelqu'un d'autre. She's a woman with a mission. C'est une femme avec mission. And a woman with a vision. Et une femme avec une vision. She's a woman on the move. C'est une femme en mouvement. Because she says, I will sit there. Parce qu'elle se dit, je m'assiérai là-bas. I'll sit where? There. Je vais m'asseoir où? Là-bas. I'll be sitting next to him. Je vais m'asseoir à côté de lui. Wow. And that creates everything that we see. Et ça crée tout ce que nous voyons. It creates an evil person. Ça crée une mauvaise personne. From the mission. De la mission. Now I have felt ashamed sometimes when people ask me, "What is your vision?" Parfois j'ai honte quand les gens me demandent quelle est ta vision. Because I don't have this type of vision. Parce que moi je n'ai pas cette mission. Cette vision ou cette mission. What's your goal? Quel est ton objectif? What am I trying to achieve? Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir? I think it's dangerous to have such a vision in quotes. Moi, je crois que c'est dangereux d'avoir une telle vision entre guillemets. Our vision, notre vision, must be to please God. C'est de plaire à Dieu. And our vision must be His vision. Et notre vision doit être sa vision. What is he? What does he want? Qu'est-ce qu'il veut? And what he wants, ce qu'il veut, becomes what we do. C'est, devient ce que nous as faisons. You have what you want, alors que tu as ce que toi tu veux, I can assure you it's the beginning. Je peux t'assurer c'est le début some deviation de une déviation in your life. Dans ta vie. Now, you see, as I'm preaching, alors que je prêche, I want you to think of yourself. Je veux que tu penses à toi-même. One day I met somebody in a deep crisis. Une fois j'ai trouvé quelqu'un qui était en crise, pleine crise. And I said, but what about this? Et j'ai dit, qu'en est-il de and ça? And I realized that all those points which would have saved the person have been addressed already. Et j'ai trouvé que tous les points qui auraient pu sauver cette personne ont déjà été discutés. And the person has been in church services. Et la personne in a meetings été dans when these things are addressed. Des réunions, des salles de conférences où ces choses ont été discutées. But mais, you never apply it to yourself. Mais tu n'appliques jamais ces détails à toi-même. This is the whole point. Et c'est ça le problème. You never apply it to yourself. Tu ne les appliques jamais à toi-même. You must learn to apply the most absurd things that are from the word on yourself. Tu dois apprendre à appliquer les choses les plus absurdes dans la Bible à toi-même. Yeah. You see, one time I remember, this is how the First Love Church, one of the things that helped to start my church that I'm in now, the First Love Church, because I was having my quiet time in the book of Revelation, and then it said, you have left your first love. Et une manière dont cette église que dont je suis pasteur a commencé, c'est lorsque je faisais mon temps de méditation, le Seigneur m'a dit, tu as quitté ton premier amour. But my point was, what again is first love? What have I left again? Je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai quitté encore? Yes.
And I, but it kept ringing in mais my, ça my, me venait, my first love. Ça me revenait toujours mon premier amour. I was doing evangelism. I left the church. I was doing crusades. Je faisais l'évangélisation. Je faisais des croisades. I was going all out. J'allais au fond. I was praying more than I usually have prayed in my life. Je priais plus qu'avant. What again is a first love? Qu'est-ce qui est encore ce premier amour que je dois faire? You get what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Don't discard it. Il faut pas négliger cela. Keep it in your heart. Il faut garder ça dans You'll ton cœur. You'll be surprised that it's true. Tu seras surpris de trouver que c'est vrai. That you have left your first que tu love. As quitté ton premier so, amour. Anything you read in the Bible. Donc tout ce que tu lis dans any la Bible. Message you are hearing, ou tout message que tu just, entends. Just say that it's likely. Dit que c'est vrai, c'est probable. Yeah, this thing is, that is, means that it's very possible. Que cette chose qui est dite est vraie. So when we are talking of ambitions, donc quand on parle d'ambition, look, ambitions to have this, ambition pour avoir ceci, to be something, pour devenir quelque to chose, do something, pour faire quelque chose, I want you to know, je veux que tu saches, you may not know that there is an ambition in you. Que tu peux ignorer le fait qu'il y a une ambition en toi. Deep down. Au plus and profond that de toi. Creates a separation et cela crée une séparation between you and God. Entre toi et Dieu. It takes you out of his range. Ça t'est loin de sa vue. Out of his will. Et ça dehors de sa volonté. Yes. I will ascend. Je monterai. There are things we have our mind to ascend into. Il y a des choses dans notre esprit où nous voulons avoir accès. There are things we have in mind I will exalt myself. Et nous avons en tête de nous exalter. There are things we have I will sit here. Nous avons en tête de nous asseoir quelque part. I will ascend. Je monterai. I'll have this. J'aurai ceci. I'll have that. J'aurai cela. I'll be there. J'irai, je serai là. Relax. Soyez relax. Relax. Soyez relax. It will take you away from God. Ça va vous éloigner de Dieu. Stop covering it with sugar. Arrête de couvrir cela avec and du saying, sucre. I have all these desires for God. Et dire que tu as I des désirs pour God. Dieu. Je chanterai pour Dieu. For God. Je montrerai pour I Dieu. Will exalt myself for God. Je m'exalterai pour Dieu. Merci. Miséricorde. They are very dangerous ambitions. Ce sont des ambitions dangereuses. Hallelujah. Hallelujah. So the spirit of Lucifer, l'esprit de Lucifer can make you separate. Peut te séparer. Now, another thing the spirit of Lucifer does is the spirit of Lucifer always remember this word separate. Une chose que tu dois toujours te rappeler c'est que Lucifer, l'esprit de Lucifer te sépare, le mot séparer. And it's interesting that there is a word in the dictionary which is the word separatist. Il est intéressant que dans le dictionnaire il y a un mot le séparatiste. Lucifer is a separatist. Lucifer c'est un séparatiste. So you must be careful about separations. Donc tu dois faire attention en ce qui concerne les séparations. It's a Luciferian trait. C'est un trait luciférique. Be afraid. You see, the devil is so deceptive. We cannot see him. Le diable, il est tellement trompeur, on ne peut pas le voir. We cannot see him. On ne peut pas le voir. When you are a man of God, alors que tu es un homme de Dieu, when you are Christian, quand tu es chrétien, one of the works of the devil is to make you separate. Une des œuvres du diable, c'est de te séparer. Isolate. T'isoler. Alone. De te mettre seul. You should always ensure that you are not alone. Il faut toujours t'assurer que tu n'es pas seul. You are not separate. Tu n'es pas séparé. Yes. So you watch yourself. Donc fais attention à toi-même. Carefully. Très attention. Because you find out that tu vas trouver que thing, c'est une chose subtile, you should mais il faut le rejeter. There are groups you are supposed to belong to. Il y a des groupes auxquels you tu dois être parti, tu dois faire partie. Your separation from that group mais is your big mistake. Séparation de ce groupe, c'est le plus grand erreur. Amen. Amen. It is your big mistake. C'est le plus grand des erreurs. Yes.
Never feel confident to be alone. Ne sois jamais sûr de soi quand tu es seul. Yes. Don't dislike it. Il faut because it is Satan's trait. Il faut pas aimer cela, c'est un trait de Satan. Yes. Oui. If I look at my becoming a member of different groups. Quand je regarde à moi-même, quand je devenais membre de différents groupes, I can say that the groups that I have belonged to, je peux dire, have been the doors to almost every great thing that I have experienced in my life. Que les groupes auxquels j'appartenais ont été les portes aux plus grandes choses que j'ai expérimentées dans ma vie. Yes. Oui. Be separate. Alors que tu te sépares. Where God wants you to belong to. De là où Dieu veut que tu sois. Even if you are the odd one out in the group. Même si tu es le celui qui est différent des autres dans le groupe. It's still better for you. C'est toujours mieux pour toi. Yes. It's still better. You are in the group even if maybe you feel like an outcast. Tu es dans le groupe même si tu te sens différent des autres. Or you don't feel so special. Ou tu ne te sens pas si spécial. In that group. Dans le groupe. Still be in the group. Reste toujours dans le groupe. Going to Korea and joining Church Growth International. Not I say joining or being invited to join. Aller en Corée. Or joining. Whatever there was a joining. M'adhérer à la conférence de la croissance de l'église. It's one of the most important things in my whole experience of being in the ministry. Une des choses les plus importantes dans mon expérience d'être dans le ministère. Almost everything, or many things, presque that tout have been good, qui a été bon pour moi, being part of that group. Est venu au travers de faire partie de ce Recently, groupe. I got a message Récemment, j'ai reçu un message. Was not well and he was quite ill. Que Yonggi Cho ne se sentait pas bien, il est très malade, qu'on devait prier pour lui. It's when you think of somebody dying, quand tu penses à quelqu'un mourir, you start to remember the things that the person, through the person you have experienced. Tu commences à te rappeler des choses que tu as expérimentées au travers de cette personne. And then I started to think of many things. J'ai commencé à réfléchir and many people, de beaucoup de choses, many experiences, beaucoup de personnes I have experienced et beaucoup de choses que j'ai expérimentées a part, alors que je faisais partie and not separating et pas séparé. Now I can tell you there are times that I felt like being separate. There are times I felt busy. Il y a des temps où je me suis senti trop occupé. Je voulais me séparer un peu. Yes. I felt busy. Je me sentais occupé. I have to do this. I have to go here. So there were times that I felt if I go to this program, je me sentais, it affects my other programs and other things that I have to do. Et je me disais si je pars à ce programme, ça va affecter les autres programmes auxquels je dois participer. So you can be too busy. Donc tu peux être trop to be occupé. A part of a group that you belong to. De faire partie d'un groupe auquel tu appartiens. Yes. But it's a dangerous thing. Mais c'est une chose dangereuse. To be too busy. D'être to be part. Trop occupé as de faire partie. You owe an obligation to the people you've been sent to, as well as to where you were sent from. Si tu es ambassadeur, tu as des obligations envers ceux à qui on vous a envoyé et aussi à ceux qui vous ont envoyé. Throughout the years. Et pendant ces années. In the ministry. Dans le ministère. Every time I've seen people walk away, quand je vois des gens partir, whom I felt should not walk away from me, des personnes que je croyais ne devaient pas me quitter, the one thing that rings in my heart and that saddens me is that these people are going to suffer from the mistake of separation. Une chose qui résonne dans mon cœur. Isolation. Je me dis que ces personnes vont souffrir de l'isolation et la séparation. Things get worse. Les choses deviennent pires. Things get worse. Les choses deviennent pires. Yes. So, watch out. Donc fais attention. For things that want to separate you. Aux choses qui veulent te séparer. From the group. Du groupe. That God has planned before eternity.
auquel Dieu a planifié depuis le commencement du temps que tu devais être parti. In the group that I belonged to, le groupe dans lequel j'appartenais, et j'appartiens toujours, when I first joined, la croissance de l'église, there were mostly Americans. Il y avait, la plupart étaient des Américains. Mostly white Americans. La plupart étaient des Américains blancs. African, not much. Pas beaucoup d'Africains. Like the main African. J'étais comme l'Africain principal. It's true. C'est vrai. So like I'm not American. Moi je suis pas Américain. Like je ne parle pas comme un Américain. You get what I'm saying? So vous comprenez? You can feel odd. Donc tu peux te sentir comme un paria. But it was still my important group that I mais belonged to. C'était un groupe important pour auquel yes. je devais m'adhérer. And you see, you don't have to make the mistake. Et vous ne devez when pas faire cette erreur. And you don't feel like you really belong or you are accepted. Stop your inferiority complex and just get along with it and just be part of the group. Alors que tu es dans un groupe, il faut pas te sentir inférieur aux autres. Arrête ça et fais partie du groupe. You feel that you are not part of the executive. Tu penses que tu ne fais pas partie de l'exécutif. Even if you are not Peter, James and John who were called into the meeting as the top three, you may be in the top 12. Même even si if you are not in the top 12, you'll be in the 500 that saw Jesus rising from the dead. Même and si if you are not in the top 500, you are among those who are saved. Même si tu ne fais pas partie des trois Pierre, Jacques et Jean, tu fais partie des 12. Si tu n'es pas parti, tu ne fais pas partie des 12, tu fais partie des 500. Même si tu ne fais pas partie des 500, tu es né de nouveau, tu es sauvé. Amen. Oui. So be in your group. Don't let the devil, because this one of the things the devil tells you, you don't belong here. Reste dans le groupe. Ne laisse pas le diable te parler et dire que tu ne fais pas partie du groupe. You'll be surprised that Lucifer had an inferiority complex. Tu seras surpris de savoir que Lucifer avait cette complexe d'infériorité. Yeah. He may have said that Gabriel doesn't like him. Il aurait pu dire mais Gabriel ne m'aime pas. And what's the other angel? Michael. Michael especially doesn't like surtout him. Surtout Michael, il ne m'aime pas du tout. Be careful of all that. Fais attention à toutes ces choses. Yes. Oui. It is through that group. C'est au travers de ce groupe. That I came to, I mean, so much of my ministry is connected to being there. La plupart de mon ministère est connecté à ma présence là-bas. I remember one day, je me souviens d'un jour, I was planning something. Je planifiais quelque chose. And I heard the Holy Spirit whispering. Et le Saint-Esprit m'a soufflé. Don't be too big. Ne te sens pas trop grand. Go and sit there. Va t'asseoir là-bas. For 7 days, whatever it is. Pendant 7 jours ou peu importe. Just sit there quietly. Assieds-toi seulement calmement. And be there. Et reste là. That's all. C'est tout. Yes. Just be there. Reste là. Yes. Remember, Lucifer is always alone and thinking. Souviens-toi de Lucifer. And il est toujours seul. Thinking. Il est seul et il réfléchit. What are you thinking about? De quoi est-ce que tu réfléchis? Why are you alone? Pourquoi tu es seul? Why are you so isolated? Pourquoi tu es si isolé? You're isolating yourself from sinners. Tu t'isoles des pécheurs. That's another thing that has. Oh, they're not that I'm better than them, but they are some way. C'est pas que je suis meilleur, mais ils sont bizarres. You will find out that you are the worst. Vous allez trouver que c'est vous qui est le pire. You find out that you are the what? Tu es le quoi? The tu worst es of all. Le pire de tout. So please watch out anything that is like the devil. Fais attention à tout ce qui ressemble au diable. The answer is no. La réponse est non. Yes. All the angels were worshiping God and Lucifer said, I appreciate the fact that you are worshiping God, but it's not every time you must worship. Tous les anges adoraient Dieu, mais Lucifer a dit, oui, j'apprécie le fait que vous adorez Dieu, mais ce n'est pas à tout moment qu'il faut adorer Dieu. I disagree. Je ne suis pas d'accord. All right. I hope a word is enough. J'espère que la parole suffit. Number two. Numéro the spirit deux, of false prophecies. L'esprit de faux prophètes. Amen. And the Lord said, who shall persuade Ahab that he may go and fall? La Bible dit, qui séduira Achab pour qu'il monte
à Ramoth et qu'il y périsse. And there came forth a spirit and stood before the Lord and said, I will persuade him. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Amen. Amen. Now, when a spirit is persuading you, quand un esprit te séduit, yes, that's in 1 Kings 22, verse 21, it says, I will persuade him. 1 Roi 22, 21, je le séduirai. I want to show you how it is like when you are being persuaded je vais vous montrer by comment an evil spirit. C'est lorsque tu es séduit par un mauvais esprit. Are you listening? Est-ce que vous écoutez? How it is like when you are being persuaded by an evil spirit. Comment c'est lorsque tu es persuadé par un mauvais esprit? You see, the Bible says in 2 Corinthians 10, it says that the weapons of our warfare are mighty to the pulling down of strongholds and casting down imaginations. La Bible dit en 2 Corinthiens 10, 4, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Now, when you are being persuaded by an evil spirit, et lorsque tu es persuadé par un mauvais esprit, you have a lot of thoughts qui détruisent les raisonnements. Tu as des raisonnements along a certain line. Tu suis une certaine ligne de pensée. Yes, I have a lot of thoughts tu along as des a certain line. Sur une certaine, kind of thinking. Une manière de réfléchir. And it's because thoughts need to have brother thoughts and sister thoughts for the main thought to be established. Les pensées doivent avoir des frères et sœurs avec lesquels ils doivent s'établir. Yes. So it forms a family of thinking. C'est comme une famille de raisonnement. Yes. And then the thoughts multiply. Et ces pensées se multiplient. In you. En vous. Now, I want to show you how it is like. I've started showing you. When you are being persuaded, it says that who will go and persuade Ahab? Et la Bible dit qui ira to go and fall? Persuader Achab. And there came a spirit et and alors, stood before the Lord and said, I, a demon, will persuade him. Et un esprit se présenta devant l'Éternel. Il dit, moi, je le séduirai. How does a spirit persuade? Comment est-ce qu'un esprit persuade? By thoughts. Par des pensées. Persisting imaginations and thoughts. Des raisonnements persistants et des pensées. That are presented to you. Qui se présentent. And till you develop brother thoughts. Alors, et après tu développes sister thoughts des pensées frères et sœurs. Encircle the main thought. Qui entoure le raisonnement principal. And strengthen it. Et le fortifie. Now, if you are a quiet person, si vous êtes quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, that is, you don't have many, you don't talk your thoughts. Vous ne dites pas vos pensées. Vous ne parlez pas. What is going to happen? Ce qui va arriver. If you are a quiet person, si tu es une personne calme, be found being quiet. Et on te trouve calme. People always have to ask you. Are you okay? Les gens doivent toujours demander. Everything ça va? Okay? Est-ce que tout va bien? You all right? Est-ce que tu vas bien? Okay. Oui. So in your case, the thoughts develop. The sister and brother thoughts develop by thinking quietly in your head. Dans ton cas, les pensées frères et sœurs se développent calmement dans ta tête. You are being persuaded. Tu es en train d'être persuadé. You find out many people who commit serious crimes are quiet people. Les gens qui commettent des crimes graves sont souvent des gens calmes. Yes. All the bombers of September 11. Tous les gens qui ont fait les bombeurs de septembre 11 avaient des amantes, des petites copines. Their true thoughts leurs vraies pensées were never shared. N'ont jamais été pensées, oh, he's quiet. Partagées.
He's on his iPad. Il est toujours calme sur son iPad. He's on his phone. Il est sur le téléphone. He's watching television. Il est en train de regarder la télé. Doesn't say much. Il ne dit pas grand chose. All the thoughts are in his head. Toutes les pensées sont dans sa tête. Their girlfriends and their wives were shocked when they found out my husband was on the plane. Les he was the one piloting the plane. Les épouses, hey! Les petites amies étaient choquées de savoir que c'est leur copain, leur mari, qui était le pilote de l'avion. A huge airliner with 300 people on board. Un grand avion avec 300 personnes dessus. He was a piloting. C'était le pilote. They were surprised to find out that their husband and their lover was carrying knife and can kill somebody by slicing his throat like a goat. Ils étaient surpris de savoir que leur amant, leur mari, était capable de prendre un couteau et couper la tête de quelqu'un comme un chèvre. Not a word. Pas un mot. Everything is in the head. Tout est dans sa tête. Now, the second type of person thinks aloud. This is someone's thinking out loud. Un deuxième personne, type de personne, il réfléchit à haute voix. Thinking out loud is still thinking. Réfléchir ou parler à haute voix, c'est aussi réfléchir. And it comes from talking. Et ça vient de parler. So when you are being persuaded, alors que tu es persuadé, talking, il y a des parler. Yes, talking by yourself. Parler. You talking. The more you talk, you are thinking. Par toi-même. I think by talking. Plus tu parles, tu réfléchis. Moi, je parle. Yes. Je réfléchis quand je parle. Many meetings I have, I'm thinking about something. I start talking about it. Dans beaucoup de réunions, quand je réfléchis à quelque chose, j'en parle. When I want to think, quand je veux réfléchir, I talk. Je parle. About what I'm thinking. Je parle concernant ce que, ce à quoi je pense. And the meeting helps me to think. As things come up, I realize I'm thinking. Parfois, j'ai une réunion et la réunion m'aide à réfléchir. Alors que je parle, je réfléchis. And I become persuaded. Et je suis persuadé. Stronger. Je deviens plus fort. What I'm thinking, or it changes. Alors que je parle, ou les choses changent alors que je parle. I'm giving you two ways in which you are being persuaded. Je vous ai donné deux manières. The third way. Troisième manière. Is in somebody talking to you. C'est lorsque quelqu'un te parle. Yeah, because. The more someone speaks to you, plus que quelqu'un te parle, the more you become persuaded, plus tu es persuadé about a particular line of thinking, par rapport à une ligne de pensée. Especially, surtout, if you have an odd thought, lorsque tu as une pensée un peu bizarre, and you find somebody, et tu trouves quelqu'un who agrees with you, qui est d'accord avec toi. You get what I'm saying? Who confirms what you are qui thinking? Qui confirme ce que tu dis, tu réfléchis. And even brings sister thoughts or et brother thoughts. Qui te ramène aussi des sœurs, des pensées, sœurs ou frères, pour fortifier the separatist mind that you have. L'esprit. Satan qui parlait à Jésus. You see, as soon as Jesus spoke about dying, thoughts about security will come to mind. How to prevent it? Quand Jésus a commencé de parler de la mort, les pensées de comment se sécuriser de ne pas mourir sont venues dans sa tête. And here is somebody who is confirming. Et voici quelqu'un qui confirme that dying will not die. Que pour mourir, tu ne vas pas mourir. And all you needed for Peter to keep talking. Et tout ce dont il avait besoin, c'est que Pierre continue de parler. Satan is continuously speaking. Et c'était Satan qui devait continuellement parler. There are certain people who are Satans in your life. Il y a des gens qui sont des Satans dans ta vie. The more the person speaks, plus la personne parle, the more you are persuaded along a demonic line. Plus tu es persuadé sur une ligne démoniaque. Yes. Oui. Satan. Thinking out loud. Qui réfléchissent à haute voix. Thinking in your head. Qui pense dans ta tête. Thinking by talking. Qui pense en parlant. You are being persuaded. Tu es en train d'être persuadé. That is why your friend. C'est pourquoi ton ami. And your
person you speak to, et la personne à qui tu parles, who speaks back, et qui te parle en retour, very important. Est très important. The more the person speaks, plus la personne the parle, the more the thoughts are going. And you see, you will never continue talking to somebody unless you and the person agree. So the agreement multiplies. Tu ne vas pas continuer de parler à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Donc lorsque vous êtes en accord, le parler continue. Until you are convinced in your thoughts. Jusqu'à ce que tu sois convaincu dans tes pensées. Yes. Oui. And if you are the weaker partner, et lorsque tu es la partie, la personne faible, tu seras dépassé. Who should I send to persuade Ahab? Qui est-ce que je vais envoyer pour persuader Achab? Sometimes when an evil spirit has been sent to persuade you, a person has been sent into your life. Quand un esprit mauvais a été envoyé te persuader, c'est une personne qui vient dans ta vie pour te persuader. The more you talk, plus tu parles. The more he talks, plus lui il parle. The more you talk, plus tu parles. The more she talks, plus elle parle. And it enforces the thoughts. Et ça renforce les pensées. Yes. Oui. And the spirit has been sent to persuade. L'esprit a été envoyé te persuader. Nothing can shake your convictions. Jusqu'à ce que rien ne peut secouer tes convictions. So watch out. Donc fais attention. For this spirit. Pour cet esprit. Which separates you. Qui te sépare. When I was going to Church Growth International, I still go. Quand je fréquentais la croissance de l'église internationale. People who did not want to go. Il y avait des gens qui ne voulaient pas y aller. Who were part. Qui faisaient All partie. I needed to do was to talk with some of them. Tout ce que je devais faire, c'est de And parler they would avec say ces how, personnes. Oh, I've heard negative things. Oh, this is not how it used to be. You know, the person has changed. Les gens disaient non, c'était pas comme ça avant. La personne a changé. Yes. Oui. You know, one day I was listening to a student. Un jour, j'écoutais un étudiant. And they were talking about their lecturer. Et ils parlaient de leur professeur. Now, this lecturer, ce professeur, was an important person. C'était quelqu'un d'important. In the class. Dans la classe. But before that student could even start listening to the lecturer, mais avant que cet étudiant puisse écouter au professeur, the student met a fellow student. L'étudiant a rencontré un autre étudiant. And the student told her fellow student, this man, l'étudiant lui a dit, cet homme, is a very wicked man. Il est très méchant. First point. C'est le premier point. He's a very what? Il est qui? Wicked man. Très méchant. Then the second they told him, deuxième, oh, he has self-esteem issues. Il a des problèmes d'estime de soi. You know, there are people, they have words. Il y a des gens qui ont you des just, paroles. It undercuts you. Et ça te... And it undermines you. It does something. So he ça has self-esteem issues. And your lecturer. Ton professeur, il a des problèmes d'estime de soi. Then he said he has bipolar. He's bipolar. Et like une today chose, is happy, he's more il est bipolaire. Donc aujourd'hui yes. il est content, demain this il n'est pas content. Your teacher has not started teaching you. Ton professeur, you just met somebody who was in the class last year. Tu n'as pas encore commencé les cours et tu as rencontré quelqu'un qui était dans la classe l'année passée. Pre-lecture establishment. C'est un enseignant d'avant l'enseignement. Is it nice? Est-ce que c'est bon? But you see, how can you recover? Comment est-ce que tu peux recouvrir? And the person will emphasize he has self-esteem issues. Et la personne va mettre l'accent sur le fait qu'il a des problèmes d'estime de soi. Is the person sounds like a psychologist? On dirait un psychologue. So you got to be careful. Vous devez faire très attention. Who you talk to? À qui vous parlez? Is changing you. Te change, te transforme. Persuading you. Ça te persuade. It's confirming things to you. Ça confirme des choses. And while dans ta I was tête. In Korea, une fois I had j'étais, people, you meet them, and when they tell you certain things, it's like there's no need to come here again. J'étais en Corée. Quand tu rencontres certaines personnes, tu n'auras pas envie de revenir à cet endroit. There's no need to come here. Ce n'est plus la peine de revenir dans cet endroit. Yes. But even if the man dies, mais même si la personne meurt, I pray that it will be, I'll be there. Même s'il even meurt, je prie que je serai là. Even at his death, même à sa mort. Yeah.
It's even important. C'est important. Yes. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Okay. Number three. Point numéro 3. Yes. I showed you three ways in which you can be persuaded. Je vous ai montré trois manières par lesquelles vous pouvez être persuadé. Tu penses toi-même. You speaking is thinking. Tu parles. De parler, parler aussi. You are searching for other confirmatory thoughts. Tu cherches d'autres pensées qui confirment ce que tu dis. Yes. To either ground your thought or to dissuade you. Depend on who you meet. If you meet somebody, say he has self-esteem issues. Straight away. Pour te raffermir ou te dissuader. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, tu entendras des choses. Ton professeur est bipolaire, par exemple. And the man is still there. One of the best lecturers. Et l'homme est toujours là, un des meilleurs professeurs. Yeah. Beautiful. C'est magnifique. I'm talking about spirits. Je parle des esprits qui nous motivent. Number three. Point numéro 3. The spirit of greed operates in prodigal ministries. L'esprit d'avidité opère dans les ministères prodigues. And I'm preaching from chapter 2 in my little book here. Et je tire ce message du livre Ceux qui vous quittent, chapitre 2. Who leave you. Ceux qui vous quittent. Now, greed. L'avidité. I believe you remember what the Bible says, that money is the root of all evil. La Bible nous dit que l'argent est la racine même de tout mal. Amen. Amen. Now, I want you to look at 1 Timothy chapter 6. Regardons à 1 Timothée chapitre 6. Verse 9. The spirit of greed, desire for money. L'esprit d'avidité. You'll fall into 10 problems. Tu vas tomber dans 10 problèmes. And that shows you that it is an evil spirit. Qui montre que c'est un mauvais esprit. They that will be rich. When you have a vision to be rich. Quand votre vision est de devenir riche. In the ministry. Dans le ministère. In life. Dans la vie. You fall. Tu tombes. Number one, you fall. Tu tombes. You fall. Tu tombes. It's almost automatic. C'est presque automatique. Money seeking ministers fall. Des ministres qui cherchent l'argent, ils tombent. Read your Bible. Il faut lire la Bible. Put the verse on because people think I'm inventing things. It says, they that will be rich fall. Ceux qui veulent devenir riches tombent. Straight. Tout droit. They that will be rich fall. Ceux qui veulent devenir riches tombent. So, instead of trying to be rich, au lieu de vouloir être riche, try to please the one who called you. Essaye de plaire à celui qui t'a appelé. You see pastors doing all kinds of business. Tu vois des pasteurs en train de faire things, des affaires, toutes sortes de choses. Trying to get more money, and it usually leads to getting less money. Ils veulent de l'argent, plus d'argent, et ça amène souvent à la pauvreté. Ils ont moins d'argent. Yeah. You just look at all kinds of businesses and things that pastors have. Tout if you are watching me, choose whether you are a pastor or a businessman. Si tu me regardes, choisis si tu es just pasteur choose. Ou homme d'affaires. And do it. Faut choisir. Do when you are doing well. Do et it well. Fais-le et fais-le bien. Don't say you are a pastor and then actually you are a businessman. You cannot serve two masters. Ne dis pas que tu es pasteur et en réalité tu es homme d'affaires. Tu ne peux pas servir deux maîtres. And this is what is taking us far. Et c'est ce qui nous éloigne from de God. Dieu. Far. Très loin. Yes. Oui. The spirit of greed. L'esprit d'avidité. Yes. You must believe it. Il faut le croire. I've never been impressed. Je n'ai jamais été invitations. Impressionné par les invitations. Because I've also done business before. Parce que j'ai fait des affaires auparavant. Yes. I've been involved in selling pens. J'étais impliqué dans la vente des stylos. Yes. It's not easy to sell pens. C'est pas facile de vendre des stylos. Yes. It's not easy to sell pens. Pas facile de vendre des stylos.
So, when I see people trying to be rich, quand je vois I des gens that it's not a good aim, essayer de devenir riche, for ministry. Surtout pour le ministère, yeah. Ce n'est pas un bon objectif. So, 11 problems that you have. Donc 11 problèmes que tu Number as. Two, numéro 2. Or 12, is fall is the first one. Then temptations. Tomber dans les so tentations. So many new temptations that you wouldn't have had. Beaucoup de tentations que tu n'auras jamais eues. Yes. They that will be rich fall. Ceux qui veulent devenir riches tombent into temptation. Dans la tentation. So number two, temptation. Numéro 2, c'est la tentation. Then number 3, snares, like unexpected a snare. If you want to watch a snare, watch Rambo. Si tu veux connaître ce que c'est un piège, part regardez two. Rambo. When he's in the deux. Forest, he sets up snares Quand for people. Il est dans la forêt, il tend des pièges pour les gens. They are walking and suddenly something holds them. Ils marchent et tout d'un coup, yes. quelque Very chose frightening les arrête. In the forest. Ça fait très peur dans la forêt. Are you there? Vous êtes là? Yes. Snares. Des so pièges. Sudden problems. Des problèmes which soudains. You haven't thought you would ever have. Auxquels vous n'avez jamais pensé. Then number four, three or four, Quatre, foolish lusts. Des désirs insensés. All people who want to be rich have foolish lusts, like desires for certain things. I want to have this particular type of car, which is not even important, or maybe it's not even necessary. Even the one you have is better. Un désir d'avoir But I want a red car. Certain type de voiture, même si ce que tu as est meilleur. You know, one day I went somewhere. I'm not saying where. Un jour, je suis allé quelque part. And then je I ne saw like où. Six cars, Et j'ai strange vu six voitures bizarres parked there. And garé I said, là-bas. Who is this for? J'ai dit, mais said, ça oh, c'est... There's a rich man who stays here. And these are his toys. À qui? Ils ont yes. dit, il y a un homme riche qui vit ici, ce sont ses jouets. Each car is about $500,000 or some amount. They are Une voiture there. Peut coûter Amazing. Presque 500 000 dollars. I just look at the cars like that. They are parked. He has nowhere in his house, so he brings them to this public place and parks them there. Il n'a pas de place chez lui, Beautiful. Donc il amène ça dans un parc public pour les garer. Foolish lusts, des désirs insensés, hurtful lusts, et des désirs pernicieux, hurtful lusts, pernicieux, qui font yes. mal. Some of the drug cartels, I mean, they were so rich already. Ces cartels de drogue, ils sont tellement riches déjà. But the desire for more, mais le désir pour en avoir plus, led them to do so many things, les ont poussés à faire beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire. Yes. And then it goes on and it says, drowning men plonge les hommes in which drown men in destruction and perdition. So the next one is drowning. Donc le prochain point c'est de le so noyer. You are drowned. Donc tu es noyé in the money things. Dans les choses it qui concernent l'argent. Swallows you up. Et ça, ça then the next one is destruction. Et le suivant c'est la perdition. You are destroyed. Tu es détruit. It destroys ministries. Ça détruit des ministères. Just desiring for money. Juste I didn't write the Bible. L'argent. It's here. They that will be rich fall into temptation and a snare, foolish lusts, hateful lusts, which drown men in destruction and perdition. I've never seen a verse in the Bible with more disaster prediction than these two Je verses. Je n'ai jamais vu de verset dans la Bible qui est rempli de prédictions comme dans ce verset. Then it goes on, it says, for the love of money is the root of all evil. So when you go after money, you are going after the root of evil, the foundations. Donc, you are searching for the foundations of evil in your ministry. Quand tu poursuis l'argent, tu es en train de chercher la racine même du mal dans ton ministère. You know, one day I was looking at this scripture. Jour, the love of money is the root of all evil. And the Holy Spirit inspired me to think about something. Je regardais ce verset dans la Bible, la racine du mal, c'est l'amour d'argent, et le Saint-Esprit m'a inspiré à réfléchir. And the question chose. Was, is money the root of all evil? Et la question était, est-ce que l'argent est la racine du mal? And I said, it's something we say. Je me suis dit, oui, c'est quelque chose qu'on dit. Then the Holy Spirit said, think carefully about it. Le Saint-Esprit Think about poussé every problem in every life. À me pousser à réfléchir beaucoup plus concernant l'argent. And see if you cannot find the love of money somewhere Et in si, every problem.
Si, cherche si tu ne peux pas trouver l'amour d'argent dans toutes sortes de problèmes. Try it on your own. Essaye voir. N'importe quel problème que tu as, essaye de voir. Try it on any crisis in your life. Essaye de voir ça dans toute crise que tu peux avoir. Again, la vie. I told you, don't leave out yourself from preaching. Je vous ai dit, later ne vous on, laisse regret it. Pas. You later say that, there's something that I realize that the love of money is really the Après un certain temps, tu vas dire, je pense que vraiment il y a quelque chose dans ce verset, l'amour de l'argent c'est la racine. So anyway, I decided to apply at that time. I decided to apply it on certain people I knew who were having crisis that had no financial smell at all. Donc j'ai décidé de mettre en pratique dans la vie de ceux qui ont des crises qui n'ont pas l'air financière du tout. Yes. Even I was applying it on. I applied it on certain people who are struggling with certain marriage, divorce, and other crises. Même appliqué ça. And I noticed that almost every one of those cases have a lot of money, riches, type of things around même it. Dans les mariages difficiles, les divorces. I don't know the details. J'ai vu que il y avait beaucoup de problèmes financiers dans ces mariages. Rich. Families are more prone to divorce than poor families. Les familles riches sont beaucoup plus proches à la divorce que les familles pauvres. Yes. There's more divorce in America. Il y a plus de divorces en Amérique. In many other places. Que dans beaucoup plus d'autres pays, par exemple. You can think about it yourself. Réfléchis. I'm not in your head. So je ne suis pas dans ta tête, donc toi-même pense dans ta tête. And see whether the love of money is actually working. Voici l'amour de l'argent est à l'œuvre. Which while some coveted after have erred from the faith. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi. So this is the whole point, error. Ça, c'est l'objectif principal, l'erreur. In ministry. Dans le ministère. We are talking about prodigal ministry. Nous parlons des ministères prodigues. You err from the faith. Tu t'égares de la foi. Error of your life. Just analyze the mistakes of your life. Essaie d'analyser les erreurs de ta vie. Beautiful. Magnifique. Maybe God gave you a nice, humble seamstress. Peut-être Dieu t'a donné une sœur, une sœur humble, gentille. Seamstress. Tailor. Couturière. Yes. As your nice wife. Comme une jolie épouse. But you said no, no. Mais tu as dit non, non, non. I want a lawyer. Je veux un avocat. Error. Égaré. And have pierced themselves. Ils se sont transpercés eux-mêmes. Through with many sorrows. De beaucoup de douleurs. So you can see the 12 things. Put it up on the screen. Tu vois les 12 choses that happen just qui by arrive. Ministries, temptations. Sometimes about salary, money issues, snares, unexpected issues, les salaires, foolish desires, les pièges. So oh, I want breakaways. C'est l'argent qui est à la racine de toute séparation. Amen. Amen. And then an independent spirit, number 4. Et un esprit operates in those who live, who have prodigal ministry, prodigal ministries. Dans ceux qui ont des ministères prodigues. Give me my portion. Donne-moi ma part. Give me my portion. Donne-moi ma part. Let me have what I am. Donne-moi ce que j'ai. Amen. Ce que je suis. So an independent spirit. Donc un esprit d'indépendance. Can destroy your ministry. Peut détruire ton ministère. And make you a prodigal. Make you far from where you are supposed to be. Et te pousse à te éloigner loin de là où tu dois être. You know, we often can't see what we would have been. Certain things, what would have happened?
If God had intervened, we can't even imagine. Nous ne pouvons même pas imaginer ce que nous serions si Dieu n'était pas intervenu. Yes. I don't know what my life would be like if I hadn't met certain people. Je ne sais pas à quoi ma vie ressemblait si je n'avais pas rencontré certaines personnes. You'd be surprised. You'd have been far different. Tu serais très très différent. There are some people I know that would be far different if they were with me. Il y a des gens qui seraient très différents. I don't think they should. I don't think in my life we'll find out in heaven. I don't think they should have gone. I still feel sad that they went. Je suis triste qu'ils soient partis et je pense qu'on va découvrir au ciel ce que ça aurait été. Yeah, it would have been far, far different. Ils seraient très très différents. You know, an independent spirit. Un esprit d'indépendance. Now you've got to be careful. Il faut faire très attention. If independence is all that you want, si l'indépendance est tout ce que tu cherches, you focus on the wrong thing. Is it independence or prosperity? Est-ce que c'est l'indépendance ou la prospérité? Is it independence or fulfilling the will of God? Est-ce que c'est l'indépendance ou accomplir la volonté de Dieu? You know, there are countries that don't celebrate independence. Yeah. Like even I don't know whether America do they celebrate independence? They do. Est-ce que is it the main thing in the nation? Fête leur Thanksgiving. Jour d'indépendance. They have Thanksgiving. Ils ont le jour de Action de Grâce. Yeah, maybe they celebrate. I don't know. Ils fêtent ça, but leur fête d'indépendance. Je sais pas. When you are celebrating something, mais alors que tu fêtes quelque chose, what it has done. Demande-toi, mais qu'est-ce que ça a accompli? Independence or what the independence was supposed to bring? Est-ce que c'est l'indépendance ou ce que l'indépendance devait amener? Yes. If the independence resulted in an abrupt cessation of development. Si l'indépendance a arrêté complètement le développement du pays. Yes. De manière abrupte. If the independence resulted in the destruction of the nation. Si l'indépendance est le résultat de l'indépendance c'est la destruction du pays. If the independence resulted in confusion and war. Si l'indépendance le résultat était la guerre et la confusion. You ask yourself, is it the independence itself that we need, or is it freedom, happiness, prosperity that we need? Which of the two are we really looking for? Qu'est-ce que nous cherchons en vérité? Est-ce que c'est l'indépendance ou la liberté, la prospérité qui vient par l'indépendance? So in our minds, donc dans nos esprits, we have that this is everything, but it's not. Nous nous disons que ça c'est tout, mais ce n'est pas le cas. If you have in your mind that I must be the one who started this ministry. Si c'est dans ta tête, c'est je dois être celui qui a commencé ce ministère. What do you do? Start it. Qu'est-ce que tu fais? Start your ministry. Commence alors le ministère. Look at a person like Reverend Adeboye. Regarde quelqu'un comme Reverend Adeboye. Yes, of Redeemed Church. De l'église des rachetés. Perhaps the biggest church in the world. Peut-être l'église la plus grande dans le monde. He didn't start it himself. C'est pas lui qui a commencé l'église. It was given to him, and then he took it from a small group, and then it has become what it has ça become. Ça lui a été donné et il a fait grandir l'église pour qu'elle devienne ce qu'elle est. Bishop Moses Sonu, my friend in South Africa. Regardez à Bishop Moses Sonu, mon ami. A missionary started the church and handed it over to him. C'est un missionnaire qui a commencé l'église et lui a remis l'église. He has built it into a mighty church. Et maintenant church. Il a bâti l'église et elle est devenue grande. So, if your mind is I must be the one who started it. Donc si c'est dans ta tête que tu dois être celui qui a démarré l'église. You must be founder and president. Tu dois être fondateur, président. You may be making the biggest mistake of your life. Peut-être c'est le plus grand erreur de ta vie. If all your mind is that I must have independence. Si c'est dans ta tête d'avoir l'indépendance. I must be on my own, je not dois under être anything. Seul, pas sous quelqu'un. If that is all that is fixed in your si mind, c'est tout ce qui est fixé dans ta tête, soon making a mistake. Tu vas faire une erreur. And that's why you see people going around. And up to now, people cannot say your country is destroyed by independence. C'est pourquoi des gens ne peuvent pas le dire. Mais ton pays est détruit par cette indépendance. I know countries that have been destroyed by independence. Est-ce que vous connaissez des pays qui ont été détruits par l'indépendance? It may not be politically right to say so, but peut-être we are not c'est pas correct politiquement de le dire, mais nous connaissons des pays. If you have no currency, si tu n'as pas de monnaie, if you have no
food. Tu n'as pas la nourriture. If you have no road. Tu n'as pas de route. If you have no jobs. Tu n'as pas d'emploi. If you have crime to the point where the army has to be brought out. Il y a des crimes au point où l'armée doit être appelée. If all development has ceased. Tout développement no a cessé. No more botanical gardens are built. Il y a pas de jardin botanique qui a été no construit. No more universities are built. The ones that are there are burned down. Il y a plus d'universités. Ceux qui existent sont déjà brûlés à terre. If people are afraid to come to your country. Les gens ont peur de venir dans ton pays. That is the fruit of your independence. Et c'est le fruit de ton indépendance. You have to ask yourself. Tu dois te poser quand même une question. Today, you see, one day I visited a certain country. Un jour, j'ai visité un pays. And we passed by a kiosk. Et on est passé par un kiosque. Small kiosk. Un petit and kiosque. The pastor was with me, pointed. He said, "This kiosk." Le pasteur a dit, ce kiosque. Great man of God. Un grand homme de Dieu. He was the assistant of this great church. Qui était assistant de cette and grande église. He's in this kiosk. When I say kiosk, I mean a kiosk that measures about 4 meters by 5 meters. He said, "This is his church." Un kiosque qui mesure de 4 mètres par 5 mètres. Ça, c'est son église. Yes, independence was so important to him. L'indépendance était tellement importante pour lui. President of a kiosk. Le président d'un kiosque. Premature. C'est prématuré. Independence. Et indépendance is prématurée. A very dangerous thing. Et très dangereuse. All babies who come out prematurely. Tout bébé qui sort prématurément sont en danger. You know, you can ask a gynecologist. There's a gynecologist in the studio. Il y a un gynécologue même ici. You know, when a woman is pregnant and she has a baby that is even 30 weeks old. Quand une femme accouche un bébé qui est même 30 semaines 28 weeks old. Ou 28 semaines. And they say, "Can we come out?" Et le bébé dit, "Je peux sortir?" Do you know that by 3 months, 12 weeks, the whole body of the baby is formed. Est-ce que vous savez qu'à 12 semaines de grossesse, le corps entier du you bébé est formé? The head, vous pouvez legs, voir la tête, arms, les jambes, everything is formed. Tout est formé. Yes. By 12 weeks. À 12 semaines. Well formed. C'est formé. So it's just growing. Ça grandit seulement, even ça pousse. When the pregnancy is 36 weeks. Même quand la grossesse est de 36 semaines. 36 weeks, 9 times 4. C'est 9 fois 4. 9 times 4. 9 fois 4. 4 months, let us say 4 weeks in 1 month, it's not. Disons 4 semaines, c'est un times mois. Times 9. Even 36 weeks, they don't want the baby to come. Même out. À 36 semaines, on ne veut pas que l'enfant sorte, le bébé no. Naisse. They say, wait. Ils disent, attendez. 40 weeks. 40 semaines. They still want it to be well baked. Ils veulent que ça soit bien breathing, préparé. Lot of things. Et puis il y a beaucoup de choses. 37 weeks, they say it's term, but if it should stay. À 37 semaines, on dit c'est à terme, mais ça peut rester encore. Because when you come out just a few days before. Parce que quand tu sors même 2 jours avant. You should come out. Et tu dois sortir. You will not do what you are supposed to do. Tu ne feras pas ce que tu dois faire. Because you are not supposed to be out even at 36 weeks. They will not try to take. Because there are things we can do to make a baby come out. Même à 36 semaines, on ne va pas te t'aider à sortir cet we enfant. We have certain things. Il y a des choses qu'on peut faire. When we do certain things. Quand on fait certaines choses, le bébé va sortir. Yeah. The other day I saw somebody, I said, "You come out today." L'autre jour, j'ai dit à quelqu'un, toi, tu vas sortir aujourd'hui. Et c'était tout. Yes. Oui. That very day. Le jour même. He was born. Il était né. So what I'm saying is that ce if you dit, separate even a week, so lorsque, si tu te sépares même weeks, une semaine, 2 semaines, before you should separate, avant le temps, you'll be shocked. Tu seras choqué at the effect that it has. À voir l'effet que ça yeah. aura. So independence. Donc l'indépendance everything. N'est pas tout. Sometimes dependence. Parfois la dépendance. The greatest wisdom. Et la plus grande sagesse. Life. Hallelujah. Hallelujah. All right. Number 5. Numéro 5. Spirit of foolishness. L'esprit de bêtise. Yeah. Foolishness is the opposite of wisdom. La bêtise, c'est l'opposé, le contraire de la sagesse. Amen. Proverbs 1 verse 7 says,
Fools despise wisdom and instruction. Proverbe 1:7 dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Amen. So, foolishness has made us, the spirit of foolishness makes us go far from God. It's like we are not thinking well. L'esprit insensé nous éloigne de Dieu. On ne réfléchit pas correctement. Number six, the Numéro spirit six, of selfishness. L'esprit de l'égoïsme. Operates in those who are leaving. Et à l'œuvre dans ceux qui quittent. Amen. Amen. What is selfishness? Qu'est-ce que c'est l'égoïsme? Selfishness is when you think about yourself. L'égoïsme, c'est lorsque tu penses à toi-même. Is there a song like that? Let's just think about ourselves. No. Let's just think about ourselves. Concentrate on us. And worship us. Donc, pensons à nous-mêmes, concentrons-nous sur nous-mêmes. Tu es confus. Tu es confus. Let's just think about ourselves. Pensons à nous-mêmes. Let's forget about ourselves. Oublions-nous-mêmes. Let's forget about ourselves. Oublions-nous-mêmes. Concentrate on him and worship him. Concentrons-nous sur lui et adorons-le. You are confused. Tu étais mélangé. It's a sign. Let's just think about ourselves. Pensons à nous-mêmes. Concentrate on us and worship him. Concentrons-nous sur nous-mêmes et adorons-le. C'est ce Thinking que nous faisons. About ourselves, on pense à nous-mêmes. Concentrated on ourselves. On se concentre sur nous-mêmes God. Et on adore Dieu. Yes. That's the spirit of selfishness. Ça c'est l'esprit de l'égoïsme. Yeah. That's why you are not doing what you ought to do. C'est pourquoi tu ne fais pas Every ce que tu dois time faire. You reach out, à chaque fois que tu tends la main, if you look back, quand tu regardes you will immediately see reasons why you shouldn't reach out. Tu verras des raisons pour lesquelles tu ne dois pas tendre la main. We are building churches in so many places, in so many countries. Baptisons des maisons, des églises dans plusieurs pays. Yesterday, I met with my archbishop in my church. I have an archbishop. Hier, j'ai rencontré l'archevêque de l'église. He was telling me that he's going to dedicate some churches in the northern part of Ghana. Il m'a dit qu'il allait dédier des églises dans le nord du Ghana. Yeah. And they are building more churches. Ils sont en train de construire d'églises là-bas. Now, do you think that where I am, I don't need the building. Est-ce que tu penses que là où je suis, je n'ai pas besoin d'un bâtiment? If you come here, you see confusion all in the area. Si tu viens ici, tu verras la confusion dans le quartier. The whole area is confused. So many things we need. Il y a beaucoup de choses dont nous avons besoin. So many things we can do for ourselves. Beaucoup de choses qu'on peut faire pour nous-mêmes. Let's just think about ourselves. Pensons à nous-mêmes. Non. Let's think about them too. Pensons à eux aussi. Yes. Yeah. You know, one of the things that struck me all the time when I travel was the absence of new churches. Une chose qui me frappe alors que je voyage, c'est le manque de nouvelles églises. In nations. Dans des pays. Yes. When I was in the Caribbean. Quand j'étais aux Caraïbes. I noticed that most of the church built churches, there were many churches. J'ai remarqué que la plupart des églises. But they were all like older Pentecostal churches. C'est des vieilles églises de Pentecôte. Of great denominations. De grandes dénominations. But nobody, there was no new ministry. Il n'y avait pas de nouveau ministère. If you come to Ghana, there are many new church buildings. Au Ghana, il y a beaucoup de nouveaux bâtiments. Yes. D'églises. Even yesterday, somebody sent me a video of his ministry. Même he's built a church. Quelqu'un a montré le vidéo de son ministère. Il a bâti une église. He said he was inspired when I was preaching about building the church. And he's built his own church. Beautiful church. Il a dit qu'il était inspiré lorsque je parlais de bâtir Amen. Des églises. Et il a construit Amen. Une très belle église. So, we want to think about others. Nous voulons penser aux autres. I have a book called Others. J'ai un livre qui s'intitule Les autres. The spirit of selfishness. L'esprit, has made you have a minuscule ministry. L'esprit d'égoïsme a fait de sorte que tu as un ministère, un petit ministère. Amen. One day I went to South Africa. Un jour, je suis allé quelque part. And I saw a great ministry. Et j'ai vu un grand ministère. Which I had watched in 1994.
four, maybe. J'ai observé no, depuis 1984. And I looked at this ministry. Et j'ai regardé and ce I thought ministère. That if this ministry had thought of us. Et je pensais si ce ministère avait pensé outside à nous. Where they are. En dehors they would have de, affected de, every country in Africa. Là où ils étaient, ils auraient yeah. affecté toute l'Afrique. Yes, because mais, they were so great. Mais ils étaient si grands. So great. Si grands. But mais to think of outside people. Mais de penser aux autres qui sont à l'extérieur. It takes the Holy Spirit. Ça demande, ça prend le Saint-Esprit. Another spirit. Et un autre makes esprit you always think of yourself. Te pousse à penser à toi-même. When you will start your outreach. Quand tu vas commencer à évangéliser. When you will start your outreach. Quand tu vas commencer à évangéliser. I don't know. Je ne sais pas. But I can tell you until your last day. Mais je peux te dire que jusqu'au dernier jour sur cette terre. You will always need something. Tu auras toujours besoin de quelque chose. And there will always be something better. Il y aura toujours quelque chose. Higher that you can do for yourself. De meilleur que tu peux faire pour toi-même. And that is why people have small ministries. C'est pourquoi les gens ont des petits ministères. Because you are inward looking. Parce que tu regardes à l'intérieur. Narrow-minded. Tu as une see, petite I'm pensée. Saying it in the preaching. Je dis ça dans la prédication. So that pour que you don't say that I'm insulting you. Tu because ne dis pas que je t'insulte. If I was talking to you personally. Parce que si je te parlais and personnellement. I told you that you are narrow-minded. Et je dis que tu you'll es be offended. Myope, tu seras so I'm saying offensé. It in the microphone here to you. C'est pourquoi je that le you dis are narrow-minded. Que tu es and you are inward looking. Tu regardes à and l'intérieur. You have spiritual glaucoma. Tu as le glaucome spirituel. Yes. Do you know what glaucoma is? Est-ce que tu connais le glaucome? Glaucoma is when you have pressure, high pressure in the eyes. Lorsque tu as une haute pression dans les yeux. Now what happens with glaucoma? Ce qui arrive avec le which glaucome. Which can make you go blind. Ce qui peut te rendre aveugle. Is that you see clearly. Tu vois clair. You never notice with your eyes as you look that you are seeing any different. Tu ne remarques pas avec vos yeux que la vision est différente. What happens? Ce qui arrive. That's why I'm telling you that you are having glaucoma. C'est pourquoi je dis que tu as le glaucome. Is that your visual fields? C'est how wide you see. Le champ de vision que tu vois. Reduces. Ça diminue. So it becomes smaller. Ça devient plus and étroit. Small. So you don't see the sides. Donc tu ne vois pas les côtés. But you don't notice that you don't see the sides. Mais tu ne remarques pas que tu ne vois pas les côtés. Yes, it's a very scary problem. C'est un problème you don't effrayant. The way you know how wide you see is that take your camera and you see that there is no lens that can take a picture like what your eye sees. Quand tu prends l'appareil photo, tu vois qu'il n'y a pas de lens qui voit ce que tes yeux peuvent voir. So that is why when photographers want to take a wide shot, they take now many shots. They take and then they merge the picture. So many pictures are merged pictures. Donc les photographes, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent beaucoup de photos et ils le collent ensemble. Because no lens that has been made by man sees as wide as the eye. Parce qu'il y a aucune caméra qui peut voir aussi loin que les yeux humains. So when you are having glaucoma, it reduces like this. Quand vous avez le glaucome, ça diminue by the time comme you ça. Notice, et you, quand tu you regardes, become narrow. Tu es étroit dans ta vision. A tunnel, just tu vois juste in the front un of you. Tunnel devant toi. So when people have spiritual glaucoma, donc quand les gens ont un glaucome spirituel, they don't see the sides. Ils ne voient pas les côtés. They just see their own issues. Ils voient seulement leurs propres problèmes. In their own church, dans leurs églises. In their own country, dans leur pays. That's why the Lord inspired me to do Give Thyself Holy conference about 16 years ago. C'est pourquoi Dieu m'a inspiré, inspiré de commencer ago. La conférence yeah. dans toi tout entier il y a 16 ans. There are others. Il y a des autres. Do something. Fais quelque chose. For outside. Pour ceux people. Qui sont en and dehors. During this pandemic, et pendant cette pandémie, you know, I've been thinking, Lord, je will pensais, this pandemic je ever réfléchis. Go? I hear it's not going to go. Pandémie va partir. Yeah. Anyway. So, I've been thinking, Lord, what are the places that I want? I wish I could go. Je me disais, oh Seigneur, j'aurais aimé partir. Go and do this, some of the things. Pour faire certaines choses. Yes. Oui.
You know? So, try to open up. Donc, essaye de t'ouvrir. Reaching out. Et étends la main. Doesn't make you poorer. Ne te rend pas pauvre. No. Non. No, that's non. The will of God. It's supernatural. C'est la volonté de Dieu, c'est surnaturel. C'est surnaturel. The spirit of selfishness L'esprit has made you far from God. D'égoïsme t'a éloigné de Dieu. And it's a spirit. Et c'est un esprit. When you encounter a selfish person, lorsque tu rencontres une personne égoïste, you see the person is only thinking about himself or herself. Tu verras que la personne pense à, lui, à elle-même seulement. Selfish people are shocked when you tell them your concerns. Les gens égoïstes sont choqués lorsque tu leur parles de tes problèmes. Are you sure it's a problem? Ils disent, ah, mais c'est, tu es sûr que c'est un problème? Really? Vraiment? What you are talking about is not really a mais problem. Ce que tu, de ce que tu racontes n'est pas vraiment un problème. Ils sont choqués. That's not a problem. C'est pas un problème. That's not an issue. Mais ça, c'est pas It's un because problème. You are narrow-minded. C'est parce que tu es you cannot fathom problems. Et tu ne vois pas des problèmes. You only know your little world. Tu vois seulement ton petit monde. And it's something that you have with between men's and women's. Et ce que tu as avec les hommes et les femmes. If you are not broad-minded. Si tu n'es pas large d'esprit. As a man. En tant que homme. You never understand a woman's problem. Tu ne vas jamais comprendre le problème des femmes. Yes. So you say, ah, what are you talking about? Mais tu parles de quoi? It's because you are narrow-minded. C'est parce que tu es étroit d'esprit. And if you are a woman, et si tu es une femme, you not understand a man's problem. Tu vas pas comprendre le problème because des hommes. Your vision, you have glaucoma. Tu as une vision, tu as le glaucome. Yes. Are you there? Est-ce que tu es All là? Right. Let's not go into that. On va pas commencer avec ça. I'm just talking about the inspiration. Je parle seulement de l'inspiration. What causes people? Ce qui provoque les gens. To what spirits are working to create prodigal ministries? Quels sont les esprits qui créent des ministères prodigues? We'll be taking a break soon, but I'm on it now. Nous spirit allons prendre of deception. Une pause maintenant. Bientôt, un esprit. All this de... is in my book. Those who leave you. Tout ça, ce sont dans. Those c'est écrit who leave dans le you. Livre ceux qui vous quittent. Deception. L'esprit de tromperie. Many things are not true. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. And I want you to get this quick point. J'aimerais que vous saisissiez ce point. Rick Joyner says. Il dit. In one of his books. Dans un about de ses the livres. Fact that we need to know the state of our current delusion. Nous devons connaître l'état de notre tromperie actuelle. Of the present. Oui, du présent. What are you deceived about today? De quoi est-ce que tu es trompé aujourd'hui? Yes. That current delusion. Quelle est ta délusion actuelle? As the years have gone by. Alors que les années passent. Found out things that I was completely deceived about. Je découvre des choses dont j'étais complètement trompé. And you realize, tu te rappelles, which is something that I heard recently Mike Murdoch was preaching about. Récemment, j'ai entendu Mike Murdoch prêcher sur quelque chose. He said, you must believe that you can be deceived. Tu dois croire que tu peux être trompé. So I think when you are a man of God, you feel you can't be deceived. Quand tu es un homme de Dieu, tu penses que tu In ne peux fact, pas être you trompé. Feel you are not deceived. Tu penses que tu n'es pas trompé. But he was talking about how to is it handle difficult people or no something. C'était un sujet particulier, je me souviens plus. And he was saying, you must first of all believe that you can be deceived. Il faut d'abord croire que tu peux être trompé. It is the prelude. C'est le début. Saying even sorry. De dire même par demander humble, pardon et de devenir humble. Deceived. Tu peux être Total. Trompé totalement. When I say deceived, I mean completely. Quand je parle de tromperie, je dis pas like de totalement. Somebody who is a man can suddenly tell you he's a woman and show you that he's given birth before. Un homme, like, that's the level of deception. Le niveau de tromperie, c'est qu'un homme peut te dire qu'il est une femme et il a mis au monde. I mean, if a man who you've related with for years as a man suddenly reveals to you that he's a woman. Un homme avec lequel tu as traité depuis des and années. And shows you his child that he's given birth to at a hospital and gives you the address of the hospital as an evidence.
Il te montre l'enfant qu'il a mis au monde et il te montre l'hôpital même où il a mis au monde. What you do? Que faire? Que tu fais? So this is what must be in our head. Donc ça doit être dans nos pensées. And so it makes you humble. Et ça te rend humble. Maybe I'm being deceived. Peut-être je suis trompé. Maybe I'm being deceived. Peut-être many times I've taken decisions. Plusieurs fois j'ai pris my des décisions. My concern is that am I being deceived? Ce qui me préoccupe c'est est-ce que je suis trompé? What am I deceived about now? Ou est-ce que qu'est-ce qui m'a trompé maintenant? Yes. What am I deceived about? Qu'est-ce qui m'a trompé maintenant? The day that you are going to die. Le jour où tu vas mourir. You will think you are going somewhere. Tu vas penser que tu vas quelque part. So I'm going to get this. Je vais chercher ceci. I'm going to do this. Je vais faire cela. I'm going for this and I'll be back. Je pars ici, next reviens. Year, this is what we are going to l'année do. L'année prochaine, c'est ce que nous allons on faire. On Friday this. Vendredi on ceci. On Tuesday. Mardi. That's the day that you don't know. Mais tu ne sais pas. That today. Que I'm c'est going aujourd'hui to die. Que tu vas mourir. That's how deception is. C'est ça la tromperie. One day I was talking to someone. Un jour je parlais à quelqu'un. It was the person's husband had died. Le mari de cette personne était mort. And she told me the plans. Elle a dit les plans. That their husband had discussed. Les plans que le mari avait discuté. In detail. En détail. Of the things he's going to do. Des choses qu'il voulait faire. For God. Pour Dieu. But he was wrong. Il avait tort. He was going to die. Il devait mourir. He was deceived. Il était complètement trompé. So, what could you be deceived about? Now, Derek Prince, vous a trompé peut-être? Recently I heard him preaching. Derek Prince a prêché and récemment. And he said there is one thing that is your safeguard. Il a dit il y a une chose qui va te sécuriser. Against deception. Protéger contre la déception. You see, Jesus said in Matthew 24, take heed. Many of you shall be deceived. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, many shall prenez be deceived. Garde parce que beaucoup seront trompés. Verse 4, Matthew 24, verse 4. Matthieu and 24, Jesus 4. Answered, take heed that no man deceives you. Prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Amen. Take heed that no man deceive you. Prenez garde que personne ne te so séduise. So as I'm preaching, alors que je prêche, I want everybody, je veux que tout le monde to have that in your mind, et ça en in esprit, your heart, dans ton cœur, in your soul, dans ton âme, that I can be deceived. Que je peux it's être possible. Trompé. C'est it's possible. Possible. C'est because possible. I'm a human being, parce que je suis un être humain et je suis sur cette terre. And Jesus says, take heed. Jésus-Christ be careful. Dit, fais attention. Watch out. Prends garde. Yes. It's possible c'est that you are deceived. Que it's possible sois trompé. That you are wrong. C'est possible que tu as tort. That's so important. C'est très important. Yes. Oui. It's possible. C'est très possible. And that's why Jesus said, take heed that no man deceive you. C'est pourquoi Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous yes. séduise. And as Jesus is saying, take heed. Alors que Jésus dit, prenez garde. You have to ask yourself, what can deceive me? Demande what is deceiving me today? Qu'est-ce qui peut me tromper all aujourd'hui? All the people who are going to hell are all deceived. Tous les gens qui partent en enfer, ils sont trompés. There was a great man of God in a city in America. Il y a un grand homme de Dieu dans une ville en Amérique. He was here one of the top ministries in the world. Il avait un des plus grands ministères dans le monde. And he came to Africa. Il est venu en Afrique. When he saw, I don't know which country he went. Je Rwanda, sais pas quel pays, or, I don't know. Rwanda ou un autre pays. When he saw the suffering. Quand il a vu la souffrance and the difficulties that are in Africa, et les difficultés which en he had Afrique not seen before, qu'il n'avait jamais he vu, was shocked. Il était choqué. He said, "There is nothing like heaven." Il a dit, il y a rien comme hell. Le paradis ou l'enfer. And he changed from being a born again Christian with a huge church to il... everybody is going to heaven and nothing. There's no need for salvation. I mean, amazing story up to today. He's there. Il s'est complètement transformé. Il down. S'est dit, non, il n'y a pas de paradis, il yes, n'y a pas he d'enfer. Was so affected by the poverty. Il a été tellement affecté par la pauvreté. So you see, you can see something and it will deceive you so much. Tu peux voir quelque chose qui peut te tromper, te séduire complètement.
Because I can tell you, parce que je peux people te in dire, Africa with your so-called poverty are happier than the people in America. Les gens en Afrique avec you, you think they are very sad because they are pauvreté they don't have que they tu have. Appelles, ils sont plus heureux que toi dans ta richesse. Tu penses qu'ils sont tristes? You'll be shocked. Tu seras choqué. There's no road, there's no water, there's no light, there's no this, there are flies, whatever. They are happier. Il y a pas de route, pas d'électricité, pas d'eau, mais ils sont plus heureux. What are you being deceived about? Qu'est-ce qui vous trompe Derek en ce moment? Derek Prince said. Derek Prince dit. The greatest protection from current deception, from deception, is to be a lover of the truth. La plus grande protection de la déception, la tromperie, c'est de aimer la vérité. Don't reject real truths. Ne rejetez pas la vraie, les vraies vérités. Yes. Don't reject it. Faut pas les rejeter. Accept. Faut les accepter, truth. Les vérités. Otherwise. Sinon. And also be passionate. Et soyez that passionné. You know the truth, not that you know what you know. Soyez passionné par rapport à la vérité, pas par rapport à ce que tu crois savoir. I was talking to somebody about polygamy. Je parlais de la polygamie à quelqu'un. I said, look. Et j'ai dit, if you want to be truthful, si tu veux dire la vérité, honest, et honnête, all the people in the Bible, toutes les personnes dans who la Bible, we follow, que nous suivons, practice polygamy. Qui ont pratiqué don't la be polygamie, afraid of the truth. N'aie pas be peur a de la vérité. Passionate lover of the truth. Aimez avec passion la vérité. That is a fact. C'est le fait. Yes. It's not that we are supposed to become polygamous. Ça ne veut pas dire que nous devons être polygames, when mais c'est you la vérité. Are afraid of truth, you fall into deception. Quand tu as peur de la vérité, tu tombes yes. dans la tromperie. From Boaz, de Boaz, who already was married before he met Ruth. Qui était marié avant Abraham, de rencontrer Ruth. Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, David. Solomon. Our main people that Solomon, we follow. Les grandes personnes que nous suivons. Les grands, les vraies personnes que nous suivons. If you don't, si tu veux être honnête, ne fuis pas la vérité. Yes, yes. If you want to be very truthful, si tu veux être vraiment says, honnête, it says in 2 Thessalonians chapter 2, verse 10, with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth. En toute underline the love of the truth. En toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent don't parce be, qu'ils n'ont pas reçu l'amour not afraid de of la it. Vérité. Il faut aimer la chose, pas avoir peur de la chose. Now if you say Paul said it, vous, si vous dites c'est Paul qui l'a dit, don't be afraid of it. N'aie pas peur de cela. Paul said it. Paul a dit. Paul said it more than once. Paul a dit plusieurs fois. A deacon, a bishop should be the husband of one wife. Que don't be afraid of it. L'évêque soit doit être mari d'une seule femme. Don't be afraid of peur. The fact that many of Paul's instructions, you in particular, have thrown out of the window. N'aie pas peur de dire que la plupart des instructions de Paul tu as jetées par la fenêtre. He said we should greet one another with the holy kiss several times. We are not il a doing dit, that. Saluez-vous les uns les autres avec un baiser. He said we should cover our hair. Il a demandé que ladies nous should cover our hair. There's not even one lady in this room who's covered il a même hair. Pas une femme qui a couvert sa tête. He said a woman should not preach. And look at the woman standing il a dit here qu'une preaching femme by ne doit my pas side. Prêcher, mais regarde une femme qui prêche. Don't be afraid of truth. N'aie pas peur de la vérité. Don't be afraid of truth. N'aie pas truth peur de la is vérité. Not something you must run away. Look at it. Say, ne fuyez pas I want la to vérité. Look at the truth. Il faut regarder and à la vérité. Even if it is the opposite of what I believe or what I practice. Même si c'est le contraire de ce que je crois ou ce que je not mets be en pratique. Afraid. Faut pas que j'aie peur I must de cela. Love the truth. Il faut que j'aime la vérité. If you see when Jacob was going to meet his brother. Quand tu vois que là où sent Jacob devait rencontrer son frère, flocks et il a envoyé des presents. Troupeaux comme des cadeaux. How many males? 20 males. Combien de mâles? With 200 females. 20 mâles avec 200 femelles. 50 camels, female camels. 5 female camels with about
500 females and then 5 chameaux mâles avec 500. You can check the ratio of men to women, number of women femelles. To one. Il faut in nature, and the Bible says that not even nature teach you. La Bible dit que la nature nous enseigne. Don't be afraid of truth. N'aie pas peur de la vérité. The same principle that you talk about homosexuality, that nature teaches you that you don't have a male with a male, you don't have a female with a female. In nature, you also see one male, 20 females, and so on. It's nature. C'est dans la so nature you, où tu you accept it in this one, but you reject it. And tu acceptes la nature dans cette chose, mais tu rejectes dans l'autre. I'm not saying go and practice polygamy. Je n'ai pas demandé que but tu mettes en pratique la polygamie. But I'm telling you, don't be afraid of the truth. Mais il faut pas avoir peur de la vérité. Même dans la nature, tu vois que l'homosexualité n'existe pas. Donc, il faut pas fuir la vérité. So. We don't like truth. Nous n'aimons pas la vérité. If it is against what we know, quand c'est contre ce que nous disons, nous commençons à nous disputer. Look at you. Tu disputes. When it comes to this one, you say nature. When it comes to this one, no nature. For the same animals, examples we use, the same cows, we use cows. You don't see two male cows doing anything. You see one male cow, 20 females. Tu vois un mâle avec 20 femelles. Tu ne vois jamais un mâle avec un autre mâle. Que tu fais? So, brothers and sisters. Donc, frères et sœurs. Truth. La vérité. When you look in the Bible. Quand tu regardes dans la says, Bible. Go ye into all the world. Et il demande d'aller partout dans don't le monde. Don't be afraid monde. Of the world. World. N'aie pas peur du mot monde. Okay. Don't D'accord? be afraid of the word world. N'aie pas peur du mot monde. Don't be afraid of the word go. N'aie pas peur du mot allez. Accept it. Acceptez-le. Just accept wild truths. Acceptez les vérités, même bizarres. As you stare at it. Alors que tu regardes. It makes you look so different. Ça te donne un aspect so différent. So out of the way. Si, don't be afraid. Différent des autres. Truth N'aie is a pas good peur. Thing. La vérité, c'est une bonne chose. It's not a bad thing. Ce n'est pas une chose mauvaise. And when you love the truth. Alors que tu aimes la vérité. It really liberates you. Ça te libère. Yes. Oui. Amen. Amen. Don't be afraid. N'aie pas peur. When he says to you. Quand il te dit. Go ye therefore. Va. And preach to all nations. Prêche à toutes nations. Les nations. Nations. Don't be afraid. N'aie pas peur. Don't be afraid. N'aie you, pas peur. Toi, to all nations. À toutes nations. How? Comment? Don't worry. N'aie pas peur. Just accept ne t'inquiète that pas. Truth. Yeah. Accepte power que c'est of vrai. God. Jesus came with truth and grace, not just truth. Jésus-Christ est venu avec la grâce et yes. la vérité, pas seulement la vérité. Many of us la plupart d'entre nous, into error nous tombons dans l'erreur. We don't accept the spirit of truth. Nous nous égarons parce que nous n'acceptons pas l'esprit When de vérité. I look into my Bible, quand je regarde dans ma I Bible, saw miracles. J'ai vu des miracles. And when I looked at my life, et quand j'ai regardé I à ma vie, what? J'ai vu teachings. Des enseignements. Teachings. Des enseignements. With no miracles. Sans miracle. And I look at it and et looked regardé, at it and looked at it. J'ai regardé. And I said, no. Something. J'ai dit. So the journey Donc, towards the truth began. Ce voyage vers la vérité a commencé. Let the spirit of truth. Que l'esprit de vérité not be something you reject. Ne soit pas quelque chose que tu rejettes. One day I was talking to somebody. I said, do you really love Jesus? Parlais à quelqu'un, je demandais, tu aimes vraiment Jésus? He said yes. Il a dit oui. If Jesus is sending you here, will you go? Si Jésus t'envoie ici, est-ce que tu iras? No. Non. So accept that you don't really love him. Donc accepte que tu ne l'aimes pas vraiment. That's all. Don't say I love him, but whatever. Say I don't love Jesus. Ne dis pas and que I je beg l'aime, God to help me to love Jesus. Je ne l'aime pas, mais je prie Dieu de m'aider Amen. À aimer Jésus. You must love the truth. Il faut aimer la vérité. The spirit of truth will L'esprit really be a blessing to you. Sera une bénédiction Amen. Pour toi. And then Et? The spirit of ungratefulness. L'esprit d'ingratitude. Yes. Many things should have made you to be behave differently if you were grateful. How can I say thanks? Si tu étais reconnaissant, tu allais dire
merci. How can you say thanks? Comment dire merci? To God. À Dieu. By being grateful. En étant reconnaissant. You are showing God many things that are good. Tu montres à Dieu beaucoup de choses qui sont bien. Gratefulness. La gratitude. Makes you behave in a certain way. Te fait comporter d'une manière. How can I say thanks to Jesus? Comment dire merci à Jésus? For what he's done for me. Pour ce qu'il m'a a fait pour I moi. I thank him. Je le remercie. Amen. Amen. I thank him. Je le remercie. What he has done for me. Pour ce qu'il a fait pour moi. So we give thanks to God. Donc nous remercions Dieu. Keith Green wrote a song. Keith Green a écrit un chant. Oh Lord, you are beautiful. Oh Dieu, tu es si beau. He said he wrote a letter to the Lord. Il a écrit une and lettre. He didn't know where to post it. Mais il ne savait pas où poster la lettre. So he put lettre. It in his Bible. Donc il l'a mis dans sa Bible. And the song was the letter was Oh Lord, you are beautiful. Le message était Oh Dieu, your tu face es si is beau. All I see. Ton visage est tout ce que je so, vois. You see. For when your eyes are on this child, your grace abounds to me. So he was trying to speak to God. How can you speak to God? Quand tes yeux How sont can you moi. Be grateful to Comment God? Est-ce que tu peux parler à How Dieu? Can you be thankful Comment to être God? Reconnaissant à Dieu? The more thankful you are, plus the tu more es reconnaissant, you will do what he wants. Plus tu fais ce qu'il veut. Yes. Oui. When you are filled with thanksgiving, quand tu es rempli the Bible d'action says de grâce, in Colossians 3:15, be ye thankful. Colossiens 3:15 dit, sois reconnaissant. Serve him with all your heart, tu le sers avec tout ton cœur, avec toute ton âme. Amen. Amen. So be thankful. Donc sois reconnaissant. Be thankful. Sois reconnaissant. And when you are thankful, quand tu es reconnaissant, you have a good spirit. Tu as un bon esprit. But ungratefulness Mais l'ingratitude takes you far. T'éloigne. It makes you criticize. Fait de toi un It critique. Makes you despise. Tu méprises. It makes you waste. Tu gaspilles. Your opportunities. Tes opportunités. That God gives to que you. Que Dieu te donne. And a spirit of ungratefulness. Et l'esprit d'ingratitude. Is a horrible thing. Et une chose It terrible. It makes you very far. Ça t'éloigne vraiment from the way you are supposed to be. De l'endroit où tu When dois this être. Boy left his father, Quand ce garçon a quitté he son was père, so ungrateful. Il était si ingrat. You see, when you become a parent, quand tu deviens parent, you'll understand the actions of children. Va comprendre les actions des enfants. Sometimes children do things. Parfois les enfants font you'll des never choses. Understand it till you are et one, tu ne a comprendras parent. Jamais jusqu'à ce que tu sois parent. I've had people that left me. Il y a des gens qui m'ont quitté. Later, when they were pastors of their own churches. Après, quand ils étaient pasteurs de leur they propre now église, understood what they did to me. Ils ont compris ce qu'ils m'ont fait. And what their behavior. Et leur comportement. Yes. Oui. And they realized et ils se sont how remarqués ungrateful comment ils étaient they had ingrats. Been. So don't ingrats. Let a spirit of ungratefulness ne permet pas un move esprit you. D'ingratitude Be grateful. Te mouvoir. What has God done for us? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? We must give all that we have to him. Il faut tout donner. And serve him. Et le he servir. Has saved us. Il nous There's a sauvés. No hope in this world. Il n'y a pas d'espoir dans There's ce nothing monde. Here. Il n'y a rien dans ce How monde. How old are you now? Tu as quel âge Your maintenant? Life is finishing. Ta vie est Many sur more le years point will de finir. Combien d'années qui te you restent? Are not going to have much more time. Il n'y a pas beaucoup plus de temps The qui te reste. The pandemic has given us a taste of death. La pandémie nous a donné un goût de la mort. Anyone who has lived through the pandemic Celui qui a has vécu experienced cette pandémie what it means to be a living dead. A expérimenté ce que c'est être un mort vivant. You are alive, but you are dead. Tu es vivant, mais tu es mort. Life is ended. La vie est finie. But life is still going mais on. La vie continue. That's the living dead. Ça, c'est la vie d'un mort vivant. Yes. Oui. Yes. And it's a sign to all of us. C'est un signe pour nous tous. What is coming? De ce qui vient. Your gratefulness to God. Donc ta gratitude envers found Dieu. In your obedience. Se trouve dans ton obéissance. To him. À lui. One day. Un jour. A lady married a brother. Une femme a épousé un frère. And she was not being a good wife. It happens in Christian marriages. Elle n'était pas une bonne épouse. Ça arrive souvent Christian dans les wives. Mariages chrétiens. Are some of the worst. Les femmes chrétiennes, les épouses chrétiennes yes. sont les parmi some of les the worst. Pires. Because they know that their husband will not leave them. Parce qu'elles savent que le mari ne va jamais quitter. And that releases them into the spirit Et of nonsense. Et elles sont libérées dans un esprit de insensé. Spirit of nonsense. L'esprit de l'insensé. So she was operating in that spirit. Elle opérait dans cet esprit. Spirit of nonsense. Esprit de And l'insensé. I spoke to her.
Et je lui ai parlé. And I said, je lui ai dit, how many boyfriends did you have before? Combien de petites amies est-ce que tu avais avant? She mentioned a long list like synonyms in a dictionary. Elle a mentionné une liste longue comme des synonymes dans un dictionnaire. Yes. And I said, did any of these synonyms marry you? Et est-ce que un de ces synonymes t'a épousé? Did any of them give you a ring? Est-ce que un parmi eux t'ont donné une bague? Did any of them take you to a church? Est-ce qu'ils ont ils t'ont amené à une and église? Give you their names? Et leur t'ont donné leur then nom? Then why is it that the one who did all those things et for you? Et pourquoi alors celui qui a fait toutes ces choses wouldn't pour toi? Behave nicely to the person. Tu ne vas pas te comporter gentiment envers cette nice personne. To these other ones. Tu étais gentil envers ceux les autres. You are not grateful. Tu n'es pas Hmm? Tu n'es pas reconnaissante. You are not grateful. Tu n'es pas reconnaissante. Hey! Are you there? Est-ce que tu es là? So spirit of ungratefulness. L'esprit d'ingratitude has made the church a rendu l'église into a business community. Transformé l'église dans une into communauté a political group. Un groupe politique. Into a group of lazy, inward-looking, narrow-minded, look after yourself group. Of un groupe de personnes étroits d'esprit, paresseux, qui n'ont pas de vision et autres. Shame. La honte. But it's because we are not really thankful. C'est parce que nous ne sommes pas reconnaissants. When André Crouch wrote his song, quand André Crouch how can I say thanks a écrit le chant, comment for te all dire the merci things you've done for me, pour tout ce que tu as fait things pour moi, so undeserved, les choses non méritées, yet you gave to prove your love tu for as donné me, pour montrer ton amour envers the moi. Voices of a million angels les voix de millions d'anges could not express my gratitude pouvaient exprimer ma reconnaissance. And what? All that I am, tout ce que je suis, and all that I have, tout ce que j'ai, I give to you. Je te les I donne, owe it to you. Je te les dois. To God be the glory. À Dieu soit la gloire. That is how to say thanks. C'est comme ça qu'il faut and donner des actions de grâce. That's why c'est we serve him. Nous le servons. That's why we are in the ministry. C'est pourquoi nous sommes dans le I'm ministère. In the ministry to say thanks. Je suis dans le ministère pour it's dire merci. It's a spirit of ungratefulness. L'esprit d'ingratitude. That changes your ministry. Qui change ton ministère. Into an ungrateful, different, distant group ministry. Dans un groupe de gens distants et far qui manquent de you reconnaissance. Très éloigné de ce que tu devais être. When you are grateful, quand tu es reconnaissant, you are so nice. Tu es gentil, si gentil, and so sweet. Et si douce. One day I saw a lady who doesn't smile. Un jour, j'ai vu une femme qui ne sourit pas. But one of the president from I think President Clinton or Bush or one of these people mais came to Ghana. Mais un président est venu au Ghana. And I saw her Clinton, smiling on et je television. L'ai vu sourire à la télé. I said, wow. J'ai dit wow. She's so happy to meet this man. Elle est contente de rencontrer that cet homme. That smile has come at son, last. Son sourire est arrivé. Hey. Oh. When you are grateful. Quand tu es reconnaissant. And thankful. Et tu es reconnaissant. Et tu apprécies quelque you chose. You behave differently. Tu te comportes différemment. You see some people all they are doing, all they spend their time is accusing people. Tu vois des gens, tout ce qu'ils font, c'est accuser les gens. I mean, God didn't call you to be a demon. Dieu ne t'a pas appelé pour être un démon. The work of the devil to find fault, c'est le travail du and diable to accuse de trouver the brethren, des fautes, accuser les frères, and to spread stories, et de partager des histoires, and to say evil things, et de dire des méchancetés. And that's your main ministry. Et ça, c'est ton ministère wow. principal. Oh. And you ask yourself, is that how what God called you to do? Donc tu te demandes, est-ce que c'est pour ça que Dieu t'a appelé? Your gratefulness to God should let you be more than a demon. Ta reconnaissance envers Dieu doit permettre à ce que tu sois plus qu'un démon. Everybody should leave the work of demons. Tout le monde doit quitter le travail des démons. And let's do the work of God. Et faisons le travail de your Dieu. Thankfulness to God. La reconnaissance envers leave Dieu. Leave the work of devils. Laisse le travail des démons. And give yourself to the work of God. Et donne-toi à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. I'm preaching from chapter 2. Je prêche de chapitre 2 de mon livre. Those who leave you. Ceux qui vous quittent. Look at it on the screen. Regardez it's le a livre. Powerful book. C'est un livre puissant. Yes. Beautiful. Magnifique. Number 9 in chapter 2. Point numéro 9. The spirit of pride dans le chapitre 2 makes you somebody who is
far from what you are supposed to be. Far. L'esprit de fierté est à l'œuvre de ce fait de toi quelqu'un qui est très loin a de ce que tu dois être. Ministry. Un ministère prodigue. This my son was lost. Ce fils était perdu. And dead. Et mort. That's very far from where you are supposed to be. Très loin de ce où il doit être. Pride. L'orgueil. Makes you what? Lost. Fait de toi qui? Quelqu'un qui est perdu. And dead. Et mort. Pride. L'orgueil. Pride is Samuel. L'orgueil est bizarre. Very Samuel spirit. Très très bizarre. Esprit but it's the spirit bizarre. Of Satan. Mais c'est un esprit de Satan. Yes. Oui. You know, when you are not proud, quand tu n'es pas orgueilleux, you can read books. Tu peux lire des livres. You can listen. Tu peux écouter. Children, they sit down and they listen. Les enfants s'assoient, because ils écoutent. They are humble. Parce qu'ils sont humbles. But when you are big, mais quand tu es grand, oh, don't listen. Tu ne vas oh, pas I écouter. Know what he's saying. Je sais ce qu'il oh, dit. Oh, don't mind him. Oh, ne l'écoute même pas. This man has self-esteem issues. Cet homme a des problèmes d'estime de soi. And he's bipolar. Il est bipolaire. And wicked. Il est méchant. Wow! Wow! How can you speak about your lecturer like that? Comment est-ce que tu peux parler de ton professeur yes. comme ça? Job 41 verse 34. Job 41. It says, "He beholdeth all high things. He, Leviathan, is a king over all the children of pride." Job 41, amen. Verset 34. Il regarde toute autre chose. Il est roi des enfants de l'orgueil. Are you one of the children of pride? Est-ce que tu fais partie des enfants de l'orgueil? Never. Jamais. Never. Jamais. Be one of the children of pride. Sois un enfant de amen. L'orgueil. Amen. 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 What is a child of pride? Qui est l'enfant de l'orgueil? It's a child, but he's proud. C'est un enfant qui est orgueilleux. Too big. Il est trop grand. One of the statements of pride in my book here says, "I don't need you and you don't need me." Un des phrases dans le livre c'est, "Je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi." It's my own child. C'est mon enfant. Who told me those words? Qui m'a dit ces not choses? Biological, pas biologique mais spirituel. Another one told me, un autre "I m'a don't dit, owe you anything." Je ne te dois rien du tout. Yes. Oui. One of the children of pride told me, "How long do you want me to say thank you to you?" Un de mes enfants d'orgueil a dit, "Combien de fois, yes. pendant combien de temps est-ce que tu veux que je te dise toujours merci?" How long do you want us to say thank you? Pendant combien de temps est-ce que tu veux que je te dise merci? I've served you for 5 years. Je t'ai servi pendant 5 ans. How long? Pendant combien de temps? Should we be saying thank you to only you? Qu'on doit dire toujours wow. merci. Wow. I visited my mother J'ai yesterday. Rendu visite à ma mère I just hier. Look at her. Je l'ai regardée. And I just think. All that she has done for me. Je pensais à tout ce qu'elle a loving fait pour moi. Me elle m'a aimé. And liking me. Elle m'a apprécié. Even now. Même maintenant. She looks at me elle and me says, regarde. You are nice. Elle a dit tu es gentil. You are nice. Tu es gentil. Yes. Oui. Hmm? Since I was a little boy. Quand j'étais petit so enfant. I grew up. Je suis maintenant grand. She's always like been nice. Elle m'a toujours aimé et elle a été gentille envers moi. How long will I say thank you to her? Pendant combien de temps est-ce que je vais dire merci? What type of question is that? Mais ça c'est quel type de question? What type of question is quel, that? C'est quel type de How question long ça? Will I say thank you pendant combien to de my temps mother? Est-ce que je dois dire merci à ma eh? Mère? To my mother. À ma mère. Please. S'il te plaît. It's an evil spirit. C'est un mauvais esprit. I don't owe you anything. Je ne te dois rien. Nonsense. N'importe quoi. You will always be thankful. Tu dois être toujours If you are reconnaissant. Listening to this broadcast, si tu écoutes cette you will émission, always be thankful. Tu dois être toujours reconnaissant. You will always be thankful. Tu dois être toujours reconnaissant. To those that have done something for you, no matter how small. À ceux qui ont fait quelque chose pour toi, peu importe la yeah. taille. I can't get up today and say I'm intelligent. Je peux pas me lever aujourd'hui et dire je suis intelligent et ce n'est pas la contribution de ma mère. No. Non. No. Non.
I visited somebody. J'ai visité quelqu'un. He asked me to walk out. Il m'a fait sortir. Now, if you can walk out somebody, if, tu peux faire sortir quelqu'un, show something. Ça montre quelque chose. And there are some people that should be walked out. Il y a des gens qui doivent être. But I was not included in the people personnes. That should be walked out. Mais je ne fais pas partie de ceux à qui on devait faire sortir. And he said to me, next time you are coming, il a dit, la prochaine fois quand tu viens, come with more sense. Viens avec plus d'intelligence. There are some people who should be told that. Il y a des gens qui doivent recevoir cette. I was not in that group. Et je ne fais pas partie de ceux à qui on devait dire ça. Beautiful. Magnifique. Number 10. The spirit of wickedness. L'esprit de méchanceté. Yes. Spirit of wickedness. Mais esprit de méchanceté. Amen. Amen. It motivates you. Ça te motive. To go against God. À aller contre Amen. Dieu. Amen. Number 11. Point numéro 11. The spirit of heaviness. Esprit. Depression. Un esprit abattu. La dépression. In those who are far from God. Et c'est opère dans ceux qui sont loin de Dieu. Depression. Heaviness. L'oppression. Now I just want to say this as we are coming to the end of this session. Alors que nous terminons cette you session. Know, if you care to read this, there's a book I want to recommend. Maybe I should get a copy to show you so that you get it for yourself. It's called The Final Quest. Un livre que je dois, by Rick Joyner. Je vous encourage à lire, L'Ultime Assaut. In that book, at a point, he said he was talking about pastors who have fallen away. Dans le livre, and il parlait. One of the things that had made pastors fall. Was discouragement. Il parlait des choses qui ont fait tomber les pasteurs. Et une de ces choses, c'est le découragement. And it was a big one. Et c'était une grande chose. Yes. Many pastors had fallen out by depression. Beaucoup de pasteurs ont tombé par, à cause de l'esprit abattu et le Amen. Découragement. So, you must be careful tu dois faire attention of your thoughts. De tes pensées. Thinking out loud. Penser à haute voix. Amen. Amen. Isaiah 42. Ésaïe 42. Verse 1. Le verset Behold 1. My servant, whom Voici, I uphold, mine elect, in whom my soul delighteth. I'm just ending in a moment. Je termine. I put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. He shall not cry. Nor lift up, nor cause his voice to be heard. A bruised reed shall he not break, and a smoking flax shall he not quench. He shall bring forth judgment unto truth. Verse 4. Verset 4. Isaiah 42. Ésaïe 42. He shall not fail, nor be discouraged. Hallelujah. Hallelujah. Until he hath set judgment in the earth, and the isles shall wait for his law. He shall not fail, he shall not be discouraged. Il ne se lassera so pas. Don't be discouraged. Il ne se hâtera don't pas. Be depressed. Ne sois pas découragé. And, yes, until you have set forth your judgment in the earth. Jusqu'à you know, ce que tu établis le jugement dans le terre, la terre. I want to recommend a book to you. Il y a un livre que j'aimerais this book recommander. Is a book which I myself use c'est un livre que to j'utilise me pour me myself. Conseiller moi-même. Yesterday, I was searching through the book to advise myself. Je fouillais le livre hier pour me conseiller moi-même. Yes. And this book is called A Good General. Le livre s'intitule Un bon général. I'll tell you, in your battles dans tes batailles, of ministry, dans le ministère, I want to recommend every chapter is on its own a book. Je veux recommander ce livre. Tout chapitre. Every chapter is its own book. Tout chapitre est son yeah. propre livre. I was surprised. You know, I never thought a day would come where I would go to my own book to read to know what to do. Je ne pensais jamais aller voir lire mon propre livre pour savoir quoi faire. Many things. Il y a beaucoup de choses. Fight by building. Combat en bâtissant. Encircle your enemy. Encerclez vos ennemis. Wars are won by lightning strikes. Means God is trying to tell you that expect you must fight fast.
speed. Dieu est en train de dire que tu dois combattre avec vitesse. Expect your enemy to assassinate you. Attends-toi à ce que ton ennemi te détruise, t'assassine. Many, many things. Beaucoup in your discouragement. Dans ton découragement. I remember I saw one. It says that a good general knows that he will have losses. Un bon général sait qu'il aura des pertes. Where is it? He knows he will have losses. Il sait qu'il aura des pertes. What is it? Yesterday, somebody find it for me. Anyway, a good general knows that he will have losses, but keep on fighting. Mais continue de in te the battre. End, you win. So in fin, that tu chapter, gagner. I was reading it, and then I saw how many people died in the Second World War. Je regardais ce amazed. Chapitre et j'ai découvert combien de personnes sont mortes dans la Deuxième Guerre mondiale. I was amazed. J'étais étonné. Every country had serious losses. Chaque pays a fait beaucoup de pertes. Outcome, they won the war. Mais à la fin, ils ont gagné la so guerre. In the winning of a war, donc en gagnant there are une some guerre, losses. Il y a des pertes. Yes. And there'll be losses. Et il y aura des pertes. But it doesn't mean you don't have to keep on fighting. Mais il faut pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se donner so, complètement. Don't be discouraged. Ne sois pas découragé. Amen. Don't be discouraged. Ne sois pas découragé. Don't let a spirit of depression take you away from your great calling. Permets and the spirit of depression. À ce qu'un esprit abattu t'enlève de ton Amen. Appel, ton grand appel. And I believe that God is going to bless you et je mightily. Crois que Dieu va te bénir largement. Chapter 46. What does it say? A good general fights to win, but knows that he will have some losses. A good general fights to win, but knows that he will have some losses. There's nothing like war without some people dying. Un bon général, il combat pour gagner, mais il sait qu'il aura des pertes. Amen. Amen. Father, I thank you Père, for je te remercie your word this pour ta morning parole ce matin about prodigal ministries. Sur les ministères prodigues. Lead us. Conduis-nous. And guide us. Et conduis-nous. By your mighty Holy Spirit. Par ton esprit saint puissant. Let your word enter our hearts. Que ta parole entre Let dans a nos good cœurs. Spirit et un bon esprit. Take over our souls. Prends le dessus de nos and âmes. Over our lives. Et sur nos vies. May our ministries que nos ministères be ministries soient des ministères that are not prodigal ministries. Qui ne sont pas des ministères prodigues. Deliver us from the motivation. Délivre-nous de cette motivation inspiration et l'inspiration. That leads to prodigal states. Qui mène à un état prodigue. We pray in the name of Jesus. Nous prions dans le nom de Jésus. And we receive thanksgiving. Et nous te donnons des receive actions de grâce. Blessings. Reçois tes bénédictions in our lives dans nos vies. As we serve you. Alors que nous servons. We thank you. Nous te remercions. In the name of Jesus dans Christ. Le nom de Jésus Christ. We thank you, Lord. Nous te remercions. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Thank you for joining. You may be seated. We que are going Dieu to take an offering vous now. Vous bénisse. Nous allons prendre notre première offrande. I want you to give a good offering. We are going to take a break. Nous allons prendre now, une pause, mais tu vas donner une and bonne offrande. As we are here, I want you to take a good offering to bless and support Give Thyself Holy Conference and Healing Jesus Campaign. All that your offerings in this conference are going to support evangelism, which has very little support. But your support in this campaign is going to be towards Healing Jesus Campaign. Amen. Nous so vous on the screen, you have how to give. Il y a des numéros que tu peux utiliser pour donner. Et tout ce que tu vas donner va contribuer à l'évangélisation, va soutenir la campagne Jésus qui guérit et la conférence Donne-toi tout entier. Beautiful. Magnifique. So, everybody take out $100. Donc prenez 100 dollars, 100 pounds, 100 livres, 100 cedis, 100 cedis, 100 euros, 100 euros, 100 naira, 100 naira, 100 sefa, 100 sefa, 100 of anything. Sans de quelque and chose. This is going to be a great blessing to you. Et ça sera une grande bénédiction if your pour currency toi. Is not matched when we say 100,
The Holy Spirit himself will show you what it means when we say si ta monnaie n'est pas fort et on dit sans, le Saint-Esprit lui-même va te dire combien il faut donner. Don't rejoice in just the number 100. Say, oh, this is not. Maybe you can give 1,000. Maybe you can give 1,000,000. Whatever. Il faut pas se réjouir dans le chiffre 100. Tu peux donner 1,000. Tu peux give donner 1,000,000. Without much fanfare. Donne sans Amen. Beaucoup de bruit. Amen. Amen. You know, I was telling a story on Sunday. Je racontais une histoire dimanche. Bonke told me. Ce que Bonke m'a raconté personnellement. Before he died. Avant de mourir. Just the two of us. Il y avait juste nous deux. Il me parlait. And he told me how a lady. M'a dit comment une femme. Came to him. Est venue le voir. Wanted to see him. Elle voulait le voir. And he had to wait. Et il devait attendre. Until she came. Jusqu'à ce qu'elle arrive. At an airport, he was flying. Il devait voyager en avion. She sat down by him. Elle est assise à côté de lui. And she wrote a check. Et elle a fait un chèque. In millions. Dans des millions. For him. Pour lui. He said, God told me to give you. Il a dit, Dieu m'a demandé de te donner ça. Pour faire l'évangélisation. And I believe. Et je crois. God will speak to you. Dieu va te parler. He told me, I'm telling you because God is going to do that for you. Et il m'a dit, je te dis ça parce que Dieu va faire la même chose pour toi. Amen. Amen. So maybe you are the one who God is going to use. Peut-être c'est toi que Dieu va utiliser. Just do it. Fais-le seulement. Healing Jesus campaign. La campagne Jésus qui guérit. All about evangelism. Il s'agit de l'évangélisation. You'll be blessed. Tu seras béni. As you give. Alors que tu donnes. Powerfully. Puissamment. To evangelism. À l'évangélisation. Support, give thyself holy tu conference. Soutiens la conférence dans toi tout give. Entier et donne. It shall be given to you. So il te you can sera give by donné. Mobile money. Donne par mobile money. By what do they say there? World remit. So when you want to do World Remit, what do? Qu'est-ce que tu fais avec World Remit? Comment ça marche? Use the MTN number below. Tu utilises. So what do? You Google World Remit. It's an app. Oh, c'est une application que tu télécharges. And SendWave, you can download it on your phone. Tu télécharges sur tes and téléphones. And then another app called TapTap. Il y a une autre okay. appli qui s'appelle TapTap. And then MTN is the number. Et le numéro, c'est un numéro MTN. Do you use a country code? No country code. In the app, you select it. Dans l'application, tu choisis seulement le numéro. Select Ghana. Tu sélectionnes le pays, le Ghana. And then it's going to come, show you this one, MTN. Et après, ça te montre le numéro. Dark Heward Mills. Is it also in the World Remit? That's a different thing. That is a different thing. You can go to the Dag Heward Mills website. Tu peux aussi aller au site web de Dag Heward Mills et puis faire ta and ton then, don. Then at the Dag Heward Mills website we have PayPal. Et sur le site Visa, nous avons PayPal or text to give. Are they all on the website? Visa et all text three. To give. Beautiful. Mastercard is also there. Mastercard aussi. So that is international. If you are in Ghana, si tu es au Ghana, you can give on the mobile money numbers there. Tu peux donner sur les numéros and then affichés. There's also an account. You can transfer 1,000 CDs, 1,000,000 CDs. Whatever the Holy Spirit tells you to do, send it there. Il y a aussi un compte dans lequel what tu peux do? Envoyer ton âge. You do it. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais. Amen. All right? So, it's a blessing. And we are going to receive your offering. I'm going to pray with you. Nous allons recevoir as l'offrande. We give your offering right prier. Now. Father, bless the people as we all support this Healing Jesus campaign and the Give Thyself Holy conferences, which are going to be held in many nations, Amen. Pandemic or no pandemic. Amen. We thank you for your provision, your blessing in Jesus' name. Amen. Amen. All right. We're going to take a break. Nous allons prendre une petite pause. At this time, if you haven't finished giving your offering, I don't think you should take a break. Si tu n'as pas fini de donner, il ne faut pas prendre. Until it goes through. Faut pas prendre la pause. Before you take the break. Tu attends d'abord que be serious. L'offrande passe avant de prendre Amen. La pause. Amen. Soyons sérieux. So, finish giving and there we go. Fini de donner et on va partir. And
We are having a conference at this time of the day because everybody has a different time zone and we have a lot of people in different places. Nous avons cette conférence. So we can see you all à cette heure-ci. By eyes of faith. Moses saw that which was invisible. Et par les yeux de la foi, so nous vous voyons. We can see you on the Facebook, YouTube, and vous voyons sur les réseaux sociaux. We can see viewing centers all around. Nous voyons so que vous êtes là en train de suivre. So we are going to take a break for how long? We're taking a break for how long? 1 hour. All right. So it's 7 o'clock now, Ghana time. 4 minutes past 7. So 4 minutes past 8, we'll be back. But whilst we are on a break, we'll be playing some videos, Healing Jesus videos and other things for till 4 minutes past 8 when we'll be right back. Nous allons prendre so I'm going une to pause. Continue. You can continue to enjoy them. So when we come back, we're going to start talking to you about the prodigal ministries, which I haven't yet started talking about. Donc, à notre retour, dans une heure, nous allons parler du ministère prodigue. Je n'ai pas encore commencé. I just gave you the topics. Je vous ai donné seulement les sujets. Amen. So, that's going to be a great blessing. So, in 1 hour, time for you to eat or do whatever you need to do, and we shall be back. Father, thank you for your blessing in Jesus' name. Amen. Nous serons de retour dans une heure.